Bon, comment ça va bien, les amis? Ah, comment ça va bien? Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Comment ça va bien, tout le monde, ce soir? Allez, allez, on est tranquille, ça arrive tout doucement. Et ce soir, je vous réserve de grosses surprises, de grosses surprises. Vous allez voir, c'est toujours chaud patate un peu ici. En tout cas, bienvenue. Et oui, je suis toujours chaud patate, hein. Voilà, je suis très content de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé. Eh bien, comme ça fait un moment que je ne vous ai pas retrouvé, vous savez, hein, on commence toujours ici par la musique d'habitude, d'habitué. Est-ce que les modos sont là? Est-ce que Fanny est là? Est-ce que Isa est là? Est-ce que Laura est là? Je ne sais pas. En tout cas, bienvenue à tous ce soir. Ce soir, eh bien, votre prénom, votre date de naissance et votre question avec en haut ou en bas, je vous expliquerai, c'est un petit jeu entre nous et je réponds gratuitement à vos questions ce soir parce que c'est la reprise pour moi, la reprise et c'est un peu chaud la patate. Voilà, allez, bienvenue à tous, comment vous allez bien? Ça va? Allez, ça va toujours ici, hein? Ici, c'est toujours la fiesta! Restez bien branchés ce soir je suis chaud patate. Ce soir vous allez avoir plein plein de messages. Restez branchés, hein, vraiment. Restez là, vous n'allez pas le regretter. Ah non, 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 non. Allez, on en remet un petit coup, hein. On en remet un petit coup. Eh oui, on en remet un petit coup. Bienvenue à tous, restez branchés. Les guides et les anges sont là ce soir. Et vous allez voir ce que c'est la performance, la magnificence de Fred du Lac 73. Médium, le seul et l'unique et le vrai. On reconnaît la musique, hein? Oui, oui, vous êtes bien ici, hein? Eh oui, ailleurs, ça n'existe pas. Si, chez mon copain DJ Titi, mais c'est un peu la musique. Moi, je suis médium et musicien aussi. Allez, hop, on va bientôt y aller. Je remets encore une fois la musique et on y va. On allume la lumière. Luce, s'il vous plaît. Luce, luce. Yeah, yeah. Qui c'est qui a dit que Fred Dulac était fatigué? Moi, fatigué? Bon. Allez, on arrête la musique. Attendez, je suis en train de régler. Je suis en train de régler. Hop. Hop. Tiens, déjà des bruits bizarres qui arrivent ici. Voilà, impeccable.
Ah là, je pense que c'est bon. Allez, comment ça va bien tout le monde? Ça va bien, vous allez bien? Allez, comme il n'y a pas beaucoup de monde encore. Magnifique décor, hein? Oui, vous avez vu, oui, bonsoir à tous. Oh, je suis pas poli ce soir. Bonsoir à toutes. Eh, ça va bien les amis, depuis tant de jours. Ça fait bientôt plusieurs jours qu'on s'est pas vu, hein, ici sur TikTok et sur les autres réseaux. Ah là, je suis chaud, hein? Là, je suis chaud la patate, comme on dit. Là, ça va tout exploser ce soir, hein. Donc restez bien branchés, vraiment restez bien branchés. Et vous savez quoi, comme je suis chaud, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous chanter une chanson, ça vous dit? Ça, c'est la petite surprise du soir. Et après, on poursuivra par vos questions, je répondrai à vos questions. Ce soir, c'est simple. Votre prénom, votre date de naissance et votre question. Et ça sera un choix entre le haut et le bas. Je vous expliquerai après. Ça sera ou haut ou bas, vous me direz ça. Pour répondre à votre question, voilà, je vous dirai plein Tout de suite, voilà, déjà, il y a plein de duos qui arrivent. Big bam, boum, 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 paf, il y a déjà plein de duos. J'arrive, j'arrive. Je voulais vraiment commencer par ça à tout le monde. J'ai pas vu si Isa est là. Bonsoir Isa, comment tu vas? Marie est là, bonsoir Marie, bonsoir Laura, bonsoir ma Fanny, bien sûr, bonsoir à tout le monde, bonsoir Sud13, bonsoir à tous et toutes. Allez, comme on est chaud patate, vous savez quoi? Je me suis dit ce soir, tiens, moi je suis toujours un peu chaud la patate, eh bien, j'avais envie de vous chanter une chanson. Alors, pas au clair de la lune, hein, même si je la sais un peu par cœur, pas au clair de la lune. Je vais vous faire ça un peu, comme ça, parce que j'ai envie. Ça se passe jamais comme on pense ici. Ici, tout est jamais rien préparé, mais c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui me copient, j'ai vu. Alors, il y a quelque chose qui me fait rire, c'est que sur les médias, à la télé, tout ça, s'il vous plaît, les gars, quand vous voulez me copier, quand je prends l'accent marseillais, quand je fais Beauville, quand je fais Louis de Funès. Quand je fais tout ça, au moins ça serait sympa à la télé, tous ceux qui sont connus, de faire un petit message pour moi, ils me copient un peu. C'est l'impression que j'ai, vous verrez, vous, moi, peu importe, on s'en fout. N'oubliez pas ce soir de tapoter comme ça sur votre écran, ça met des cœurs, des j'aime, et plus vous mettez des j'aime, et plus vous partagez avec vos amis, et plus je vais être connu, et c'est ça le but, de vous aider, vous, en priorité, d'accord? On y va? Allez, regardez, une petite surprise pour vous que j'ai préparée. Je ne me suis pas préparé longtemps, mais j'avais envie de faire ça pour vous ce soir. On est parti. Vous aimez un peu le temps d'avant? Vous aimez un peu les chansons qu'on aimait écouter avant? C'est pour vous ce soir. Je vais chanter un peu. Alors soyez indulgents. Et après, on démarrera tout de suite après par les réponses à vos questions. Hein. On est toujours un peu chaud patate ici. Hein. Ah, toujours des surprises. C'est parti. Et comme c'est parti, on est parti. Ils quittent un à un leur pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville, de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original. Quand il s'essuyait machinal, envers la manche les lèvres. Mais il savait tous à propos, tuer la caille et le pardreau, et manger la tome de chèvre. Eh oui, pourtant, que la montagne est belle. Comment ne pas s'imaginer? En voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, nouée comme pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne serait plus tiré. C'était une horrible piquette, mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment ne pas s'imaginer
en voyant le vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien plus de normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment ne pas s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Voilà, ça c'était mon petit cadeau ce soir. Je sais pas pourquoi je me suis dit, allez, je vais faire un petit cadeau à tout le monde. Dans ce monde de ouf où le négatif règne, où on n'en peut plus des infos, on n'en peut plus de la télé, on n'en peut plus des gens, on n'en peut plus de tout le monde. Un peu de bonheur, un peu de chansons, d'amour, d'humour et de tout ça. En tout cas, merci à tous. C'était un petit cadeau pour vous. Bon, voilà. Que je chante bien, que je chante un peu moins bien, peu importe, je l'ai fait avec le cœur, c'était vraiment pour vous ce soir, merci, merci à tous, merci, merci, je me suis pas trop entraîné, hein. La prochaine fois je m'entraînerai plus, d'accord, voilà, un monde d'amour, d'humour et d'amour, c'est un peu ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui, on en a trop plein, c'est trop plein, la télé, les faux, tout ça, on en a un peu marre. On a envie de vérité, on a envie de réalité, de vérité. Je me suis un peu... après, je finirai avec ça. Je me suis un peu pris la tête avec quelqu'un qui était une fausse. Je le dis là, hein, j'ai pas peur de dire ça parce que c'était une fausse. Elle est venue comme ça. En plus, ils sont prêts à payer des consultations hyper chères pour me nuire un peu. Donc, ils payent. Et l'argent ne fait pas le bonheur, mais si hein, ils participent, mais ils sont prêts à payer. Et elle m'a payé cher et en fait je me suis rendu compte qu'en fait elle s'est mise comme une aide soignante et en fait c'est un maître de conférence, je sais pas si on dit une maître ou un maître de conférence. Elle est venue m'embêter avec les mails, ah oh Fred je t'ai payé, tu m'as pas dit ça, tu m'as pas dit ci, voilà. Et moi je lui ai rentré dans le coquillard, comme je dis toujours. Je lui ai rentré dans le coquillard, je lui ai dit mes quatre vérités parce que moi je ressens les choses, je ressens les âmes. Et du coup, j'ai plus de nouvelles. Donc, si elle m'entend ce soir, tu peux revenir vers moi. L'important, c'est ce que je lui ai dit. L'important, c'est que voilà, que tu me crois pas, que tout ça, peu importe. L'important, c'est quand on est maître de conférence, surtout en médecine, l'important, c'est d'être dans la vérité, dans le vrai. Déjà, on s'annonce vers moi et on me dit, écoute Fred, moi, la voyance, la médiumnité, j'y crois pas trop. Je suis maître de conférence en médecine. Je connais beaucoup de choses, mais tu vois, les anges, les guides là-haut, moi, j'y crois pas trop, voilà. Elle s'est pas annoncée comme ça, et du coup, elle est arrivée, et elle m'a dit tout de suite, moi, je suis aide-soignante, qu'est-ce que tu penses de la vie après la mort? Oui, et là, t'es avec Fred Dulac, hein. T'es pas avec Glinglin à côté, hein. Non, c'est pas comme ça que je l'appelle d'habitude, avec je sais plus comment, voilà. C'était la petite anecdote du soir. Merci à tous d'être là ce soir, merci, merci, merci. Donc, ce soir... L'important, si t'es là pour faire ta pub, Laura, attention, parce que là, Laura, si tu fais ta pub ici, tu sais que les modos, elles aiment pas ça, hein. Surtout Fanny et Isa aussi. J'ai pas vu s'il y avait Laura, mais en tout cas, attention, on fait pas de sa pub ici, hein. Nos pubs, hein. Sinon, à moins que tu chantes une chanson. Alors, je t'invite et puis tu me chantes une chanson et puis peut-être que tu pourras faire ta pub. Bon, allez, on rigole. Comment ça va bien tout le monde? J'espère que vous allez bien. Allez, un peu de gaieté, un peu de joie, un peu de... Voilà, un peu de folie, c'est ce qui manque, hein. La télé, les affaires qu'on entend à la télé, tout ce qui est faux, les gens qui copient les autres. Pouah, je sais pas vous, mais moi, ce monde-là... Pour ras la casquette. Donc ici, c'est la vérité, d'accord? Voilà. Ok, Laura, impeccable. Les Laura, je les connais. Hein. Bon, ce soir, ça se passe comment? Allez, je suis là pour vous, donc on part sur vous. Je vais mettre quand même ça.
Voilà, et je mets une petite musique d'ambiance derrière. Voilà, ça. Alors, on va pas mettre trop fort parce que voilà, on est tranquille. Voilà, donc ce soir, allez, on est parti. Cette fois, on est parti. Et je suis là pour vous. N'oubliez pas de partager, de liker, de tapoter, de papoter, de capoter, de chapoter, de chuchoter, de bon, tout ce que vous voulez. En tout cas, n'oubliez pas de tapoter pour mettre des cœurs ce soir. Merci à tous. Bienvenue à tous et tous les bienvenus. D'accord? Allez, donc ce soir, prénom, date de naissance, question et haut ou bas. C'est simple, vous allez voir. Je vais vous dire comment ça se passe ce soir. Je me prends l'oracle bleu, vous avez l'habitude, l'oracle bleu pour moi. Bon, c'est pas parce que j'en ai besoin, c'est plus un. Bon, je vais pas répéter à chaque fois les mêmes choses. C'est plus pour vous, pour voilà la fluidité du live. Du coup, je suis médium, j'ai pas besoin des cartes, ça va être un surplus pour vous. Pour moi, ça va me donner une indication, mais j'aurai le guide. D'ailleurs, j'ai beaucoup de guides ici ce soir, restez branchés. Je suis en pleine forme, je suis chaud la patate, donc restez là, vous n'allez pas le regretter. Et je vais vous donner beaucoup de messages quand même. Prioritaire au don PayPal de Diero et au cadeau Perle dans sa coquille. Perle, Pearl dans sa coquille. Voilà. Pearl in the cookie. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Ouais, je suis bilingue, moi. Et moi, il y a des années d'études là, hein, derrière. D'accord? Allez, l'oracle bleu, regardez, je demande aux anges et aux guides de protéger le tirage, de me protéger moi, surtout. Oui, moi, avec une bulle comme ça, et de répondre à vos questions. Donc, c'est simple. Vous savez comment on va faire? On va faire comme ça, regardez. À chaque fois, je vais partager le géant 2 comme ça. Regardez bien. Ouais, si je vais essayer de partager le géant 2 comme ça, je vais pas vous les montrer les cartes. Et je vais vous faire le haut ou le bas. Et vous allez choisir la carte du haut ou la carte du bas. Et c'est le jeu, hein, vous allez jouer aussi. Donc vous mettez votre prénom, votre date de naissance et votre question. Et haut ou bas. Voilà, vous choisissez votre carte. Vous allez voir, je pourrais vous faire modifier peut-être par rapport à la carte. On verra. D'accord? On y va? Allez, on y va. Attention, Fanny, elle est déjà plus chaud patate que moi. Fanny, ouah, elle est déjà à fond la caboche. À fond la caboche. Pourtant que la montagne est belle. On la refera dans la soirée. Bah oui, on va la refaire. On va la refaire, bien entendu. Voilà. Allez. Tu m'as envoyé un. Oui, alors je vais commencer par Eliane. Oui, c'est vrai. Don PayPal prioritaire. Et Eliane Segon a bien voulu m'envoyer un don PayPal prioritaire. Donc, Eliane, tu passes en priorité. Il me faut ta question, Eliane, s'il te plaît. Je prends l'accent du Sud pour. Parce qu'Eliane, elle est du Sud. Voilà. Allez, n'oubliez pas de tapoter sur vos écrans. Et cette fois, on est parti. Et il fait chaud ici, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Hop, allez, on y va. Eliane, tu me mets ta question, s'il te plaît. Oui, don PayPal d'Eliane. Oui. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes bien les bienvenus. Voyant, médium ou autre, passez votre chemin. Hein? Et puis on fera des duos, on va s'amuser ce soir, on va chanter. Tiens, je vais faire chanter quelqu'un qui connaît la montagne est belle. Pourtant. Oh, peut-être qu'on chantera autre chose, on va voir. Allez, d'accord? Allez, on y va. Allez, Eliane, tu me poses ta question, s'il te plaît. Oui, Katou, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Tiens, une petite carte pour tout le monde ce soir, pour tous ceux qui sont là. Une petite carte d'indication pour la suite un peu des jours qui arrivent. Alors, on nous parle de Troisième Guerre mondiale, on nous parle de famine, on nous parle de. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Moi, j'ai entendu plein de choses. Et du calme, hein, les gens et les âmes. Attention, du calme. Le message, c'est que tout, oui. Tout est écrit, tout est écrit. Pas de panique, no panique, on est tranquille. Respirez, aimez, donnez aux autres et laissez venir les choses. On nous fait peur. On gouverne, on domine par la peur. Quand vous avez peur, vous n'êtes plus maître de vous-même. Donc, zen attitude, PPA, pensée positive attitude. Même si un peu, des fois, c'est chaud la patate, eh bien, quand même, on reste zen. D'accord? Voilà. Oui, je t'avais demandé pour ma petite fille si elle allait bientôt accoucher. Alison, ok, le 6-10-1995. Alors, Eliane, il me semble que je t'avais dit qu'elle allait accoucher avant terme. Et je t'avais dit, il me semble, tu me dis si je raconte des bêtises, il me semble que je t'avais dit avant
fin février, c'est ça, Eliane, ou pas? Avant fin février, ah, la transformation est là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tiens, regarde ce qu'il y a derrière. Ça vous dit ce qu'on regarde ce qu'il y a derrière? Ouh, c'est chaud la patate, Eliane. C'est chaud, 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 chaud. Avant fin février, on est combien? On est le 23. 23, 23. Alors, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est 23, 23. Regardez, allez, message pour Alison. Je maintiens toujours ce que je dis. Même s'il y a du retard, même s'il y a du décalage, elle va accoucher avant terme pour moi, d'accord? Tiens, Eliane. Oh, alors que la carte, elle vole. La carte, elle vole. Tu sais la carte qui a volé? Regarde, Eliane. Oh, ça sent bon. Et je suis invité, non? Je suis invité pour le... Tu m'invites, hein? Moi, tu sais, moi, l'aller-retour, je connais, hein? Je connais, hein? Le sud, le nord, je fais la France comme ça. Le sud, le nord. Le sud, le nord. Les festivités qui arrivent, ça va bien se passer, Eliane. Voilà. Elle a une forme olympique, elle est comme moi, elle est un peu chaude patate, hein? C'est ça, hein? Allez, Eliane, regarde, regarde. Je mélange, Eliane. Maintenant, c'est à toi de jouer. Réfléchis bien. Demande à ton guide, Eliane. Tiens, regarde, je partage le jeu en deux, ça se passe comme ça ici, toujours. Hop, je partage le jeu en deux. Trompe-toi pas, Eliane. Le haut ou le bas? Allez, haut ou bas? Ça se passe pour tout le monde pareil. Haut ou bas? Faut pas se tromper, attention. Haut ou bas, Eliane? Haut, c'est là et bas, c'est là. Tu vois, le bas, c'est ici et le haut, c'est là. Trompe-toi pas de carte, Eliane. C'est très important, le message du guide ce soir. Le bas, j'étais certain que tu allais choisir le bas. Tu sais pourquoi, Eliane? Regarde. Regardez tous. C'est ça qui est fort avec moi. Après que vous pensez à que vous pensez ce que vous voulez, mais Eliane, elle me pose la question pour Alison, sa petite fille, est-ce qu'elle va accoucher? Vous avez vu, j'ai bien coupé, j'ai bien mélangé les cartes. Vous voulez que je vous fasse voir la carte? Regardez, hein. Regardez, il n'y a pas de trucage. C'est bien la première, hein, que je prends. Regardez, hein. C'est la première carte. Non, parce que je ne veux pas dire qu'on triche. Regardez. C'est la première carte qui est devant, d'accord? La première carte qui est devant, donc je la garde là. Voilà. Et c'est quoi la première carte, Eliane, à ton avis, de l'oracle bleu? Regardez, c'est la magie d'ici. Comme quoi je suis guidé par les anges et les guides. Ils sont toujours proches de moi. Regarde la carte, Eliane. Regardez ça, si c'est pas chaud patate. Si ça, c'est pas chaud patate, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Eliane? Vous avez vu la carte du bal, elle a choisi. C'est pas moi qui ai choisi, c'est Eliane. Hein? L'enfant. L'enfant va naître. L'enfant va naître avant terme et je maintiens dans une petite semaine. On est quoi? On est vendredi, jeudi. Ouh, semaine prochaine, ça va être chaud la patate. Ah, je suis pas magicien. T'as vu, Fanny? Je suis pas magicien. Un petit peu quand même, hein. L'enfant est là. D'accord, Eliane? Donc, regarde bien, regardez bien tous. Ben oui, si ça se passe comme ça, je suis guidé. Même Eliane, elle est guidée. L'enfant est là. Donc, naissance avant terme. Je t'avais dit le sexe ou pas de l'enfant, Eliane. Tu veux savoir? Allez, allez, moi je balance. Paf! Allez, on balance. Eliane, je t'avais dit le sexe ou pas? Ça ressemble à quoi, tiens, ce qu'il y a sur la carte? Une fille ou un garçon? Regardez, allez, dites-moi vous. Vous voyez mieux que moi. Hop, je sais pas si on voit bien. On voit pas bien. Allez, c'est quoi? Garçon ou fille? Eliane, je t'avais dit quoi? Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah, ça ressemble à une fille, j'avais dit quoi, Eliane? Il me semble que j'avais dit un garçon, non? Ouh, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Eh oui, ça ressemble à une fille, ça. Ouh, j'avais dit une fille. Oh, ben, y en a qui me suivent depuis longtemps ou pas? Eliane, attends, attendez, on va laisser parler Eliane. Eliane, j'avais dit une fille. Ah, oh, Madonna. Pourtant que la montagne est belle, comment ne pas m'imaginer? Regardez, une fille, je maintiens Eliane, avant terme, avant la fin février. Tu me rediras. Et si jamais c'est une fille avant fin février, je mérite quand même un cadeau. Vous pensez pas tous? Je pense que je mérite un cadeau, non? Voilà. Allez, une fille pour Eliane. Une arrière-petite fille. Wow, ça c'est chaud, hein? Ça c'est chaud la patate, hein? D'accord? En haut, je voulais pas montrer la carte, c'était la loi. En fait, elle va bien accoucher avant terme. Tu verras, Eliane, tu me rediras. Je ne me trompe jamais. D'ailleurs, les modos devraient dire à ce moment-là, Fred Dulac ne se trompe jamais, jamais, jamais. Il se trompe jamais, jamais, jamais. Voilà.
D'accord? Allez. Allez, on y va, on continue. Eh oui, tu nous rediras, Eliane. Si je me suis trompé, tu me diras, tiens, Fred, paf! Une baffe. Paf! Je me trompe jamais. Eh oui, ça sera avant terme. Ça sera la semaine prochaine et ça sera une fille. Allez, on prend les paris. Qui parie avec moi? Allez, je vous parie 1500 balles. Non, je rigole. Je rigole. Allez, bienvenue à tous. Allez, à qui le tour? Allez, donnez-moi votre prénom. Eliane, tu me recontactes par mail. On se recontacte par mail. On se connaît très très bien avec Eliane. D'ailleurs, demain, je crois. Non, samedi. C'est samedi ou dimanche? France-Écosse, je crois. Oh, je sais plus. Voilà. Merci, Isa. Heureusement que tu es là, Isa. Heureusement, si tu n'étais pas là, faudrait t'inventer. Merci, Fanny aussi. Allez, on y va. N'oubliez pas de tapoter. Hein. Comment ça va? Allez, vous êtes content de me voir ou pas? Vous voulez que je vous rechante une petite chanson? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Du calme, du calme. Allez, je réponds à vos questions. Allez-y, on est parti. Ah, mais Lolo, elle est là aussi, je n'avais pas vu. Laura, comment ça va bien, Laura? Ah, tout le monde, vous êtes super sympa. D'accord, voilà. Allez, oui, Frédéric. Ah, tiens, Frédéric, ça me parle, ça. Frédéric. 07-11-2021. C'est quoi ta question? Je vais faire Frédéric. 2000. Allez, il est où? Il c'est I ou L? Frédéric 5-12-62. Ok, Frédéric, allez, je fais pour toi. Dis-moi ta question et choisis bien le haut ou le bas de la carte. C'est un très très important. Hop. Allez, Frédéric, c'est quoi ta question? J'ai bien mélangé, vous avez vu? Hop. Ouais, les autres, tu peux me faire un bisou à moi, les autres, on s'en fout. Oui. Tu peux me dire bonsoir à moi, les autres, c'est pas grave, Laura. Bon, j'espère que ça se passe bien quand même pour toi, Laura. Hein? Oui, ça se passera bien. J'ai vu que ça allait bien se passer. T'es toujours sous protection de Fred Dulac, de toute façon. Bon, il est là, Fred, ou pas? Il veut pas poser sa question. Si, est-ce que mes résultats colombophiles vont progresser cette année? Ok, et t'as choisi en haut. Regarde, regardez. Hop, colombophile. Alors, je sais pas trop. Du colon, c'est ça ou ça n'a rien à voir? Désolé, là, je comprends pas le mot. En tout cas, est-ce que ça va aller? Et tu as choisi le haut. Regardez, je mélange bien pour ces examens. Hein, c'est ça? C'est au niveau du côlon, c'est ça? Tu as des problèmes au niveau du côlon? Attention à l'alimentation, toujours. D'accord? Regardez, je partage en deux et je mets celle-là en haut et je mets celle-là en bas. Hop. Hop. Allez, tu choisis toujours en haut. Ah, ça se passe comme ça ici. Hein, on est toujours là un peu pour rigoler aussi. Regardez, en haut ou en bas? Tu choisis toujours en haut? Pigeon voyageur. Pigeon voyageur. Toujours en haut ou pas? Dis-moi. Dis-moi si tu choisis toujours en haut. Oh, d'accord, tu gardes le haut. Donc regardez, je mets en bas, mais je vais quand même garder la carte du bas. Et je garde le haut. Regardez, il n'y a pas de triche ici. Je prends la première carte. Hop. Je prends la première carte ici. Voilà. Et le message, c'est quoi pour toi, Fred? C'est quoi pour toi? Problème de santé pour toi, hein, c'est ça? Ah non. J'ai pas tout compris. Alors, c'est quoi la question? J'ai besoin de savoir, c'est important. En tout cas, l'oiseau, c'est quoi la question? Ah, les études, au niveau des études, regarde, tu as choisi le haut, tu as bien fait. Au niveau des études, tu as choisi le haut, regarde, le guide. Hop, ça c'était le haut, le guide. Et heureusement que tu as choisi le haut, parce que le guide montre que tu es guidé par ta guide. Tu sais qui est ton guide? Vous pouvez continuer à tapoter, je vois pas beaucoup de cœur. Hein. Ah, alors là, vous n'êtes pas chaud patate. Hein. Vous voulez que je vous chante une chanson, c'est ça? Marie, tu veux que je chante un peu? T'as un peu la nostalgie de Ferrat hein, qui chantait Pourtant. Allez, je vais vous la refaire après. Compétition de pigeons. Ah, le guide, regarde, tu es guidé. D'accord? Tu es guidé. Eh bien, le guide montre. C'était quoi ta question en fait? Que si tu allais gagner, alors est-ce que tu allais poursuivre? Est-ce que tu allais. C'est quoi vraiment ta question? Dis-nous. Mais je n'ai pas tout suivi en fait.
En fait, je suis parti sur autre chose complètement. Je suis parti sur un problème de santé. Peut-être que ce n'est pas forcément une erreur. Ici, Fred du Lac 113 Médium ne se trompe jamais. Je ressens un problème au niveau des intestins. Peut-être pas pour toi, Fred, mais peut-être pour quelqu'un proche de toi. Dis-nous un peu. Est-ce que tu vas progresser dans les pigeons, c'est ça, dans le vol des pigeons? C'est compliqué tout ça. Évoluer? Message du guide. La réponse est oui. Oui. Oui en haut, oui en bas, oui à côté, oui à gauche. La réponse est oui. Salut Jo, bienvenue. Ah, t'as loupé, hein, t'as loupé Jo. Je vais la refaire parce que Jo, la pianiste, elle aurait pu m'accompagner au piano. J'ai chanté tout à l'heure, fallait être là. Il y a toujours des choses qui se passent ici, hein. Bon, Fred, regarde, le guide est là. Le guide est là, tu sais, et tu es guidé donc. Donc ça va. Oui, ça va fonctionner. Je t'invite à me contacter par mail, freddulac113@gmx.fr, et je pourrais t'aider pour avoir vraiment cette force du conquérant et de la réussite en fait. Vous savez que je suis aussi un peu magicien et donc je débloque les situations, j'aide au niveau de l'amélioration de la santé. Et d'ailleurs, regarde, hop, je vais la mettre. Hop là, attention Fred. Attention Fred. Non, je parle à moi là, pas à toi. Hein. Je parle à moi et pas à toi. Hein. Moi c'est moi et toi c'est toi. Hein. L'eau. Alors tu m'as parlé de pigeons, tu m'as parlé de voilà plein de choses. Mais moi je te dis quand même, Fred, attention. L'eau montre qu'il y a un problème au niveau de la circulation, au niveau de la santé et au niveau du côlon. Tu me parles de colombe, de volée, j'ai pas tout bien compris. Mais peu importe, moi je ressens des gros 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 problèmes de côlon à venir. Est-ce que c'est le cas ou pas pour toi? Allez, dis-moi Fred. Ce soir, abonnez, j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous, un abonnement, votre prénom, votre date de naissance, votre question et haut ou bas. La carte du haut ou la carte du bas. Ça se passe comme ça ce soir. Je ne vais pas rester longtemps, alors profitez vite, 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 vite. D'accord? Vite, 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 vite. L'eau. L'eau. L'eau, c'est un problème de circulation. C'est un problème. Alors attention, parce que ce n'est pas forcément pour toi. Parce que je ressens plus une présence féminine. Quelqu'un qui a du mal. Qui a du mal à. Qui a du mal. Qui a du mal au niveau du côlon. Au niveau du. Comment dire ça? Comment dire ça sans dériver? Au niveau de la santé, il y a des gros problèmes de circulation et il manque d'eau. L'eau est ici, mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a quelqu'un proche de toi, Fred, qui. C'est pas toi. Hein, il y a quelqu'un proche de toi qui a des gros, gros problèmes. Je pense que je vois plus une personne âgée. Est-ce que ça serait pas ta maman? Je vois plus une personne féminine. Peut-être ta maman ou ta grande sœur. Alors, j'ai toujours un peu d'orientation différente, c'est normal. Je ne vous connais pas, je connais personne. Si, j'en connais un peu une ou deux. Mais pour toi, je ne te connais pas. Donc, ça. Ton guide me dit que. Ta guide me dit que. Et attention, problème de côlon avec de l'eau. Il faut bien boire de l'eau. Ta maman ou ta grande sœur. Je pense que c'est important ce message de ton guide ce soir. Vous avez vu, ça se passe comme ça ici. On rigole, on chante, on danse. On fait tout ce qu'on veut, mais les messages sont là et sont très importants d'un vrai médium. Et le vrai médium ici, c'est mi, c'est ch'timi. Voilà, d'accord? Hop. Fred, tu me redis par mail, Fred du Lac 73 @gmx.fr. D'accord? Merci à tous. N'oubliez pas de tapoter, tapoter, tapoter. Alors Eric, il arrive, il me dit salut, t'es vrai ou pas? Eric, il arrive déjà d'entrée. T'es vrai ou pas? Ben Eric, tu veux que je te dise, est-ce que tu vas rester ou pas? Ça tout dépend les modos. Hein. Les modos, si elles sont un peu tranquillou ce soir, si elles sont cool, ben tu vas rester. Si elles sont pas cool, éjecté. Rester, éjecté. La vie, c'est ça en fait. Ou ça passe, ou ça casse, toujours. Bon, Fred, tu as vu? Je t'invite à me contacter par mail. Message du guide, je rigole, je suis bienveillant, mais c'est jamais pour rien le message du guide, c'est très important. D'accord? Allez, hop. Bon, comme il y a Joe, hein, comme il y a tout le monde, on va remettre un peu de musique et après je continue. Contactez-moi par mail, freddulac113@gmx.fr
et apprendre à se faire un petit duo. On est là, on est tranquille. Ici, c'est la fiesta. Bienvenue, c'est Didi Fredo. Didi Fredo, Didi. Du haut des anges. Yes. Allez, je vais pas rechanter tout de suite, hein. À tout de suite. Bienvenue ici ce soir, en direct de Fouette de la Cousseau d'entre elles. Oh, merci. Santé. Et c'est interdit de dire, mais on le dit quand même. Santé, c'est de l'infusion, hein. Santé. Bon, allez. Non, on remet pas la musique. Oh, sinon, ça part toujours en sucette ici, hein. Ça part toujours en dérive. Bon, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Je réponds à vos questions ce soir. On fera des duos, on va faire plein de choses ce soir. On est un petit moment ensemble. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent. Alors, c'est chaud patate, hein. Un nouveau flash info pour ceux qui me suivent. Une nouvelle vidéo. Je suis un peu tendu, hein, comme on dit. Je vais pas dire l'autre mot, mais je suis un peu tendu quand même parce que tout ce qui arrive en ce moment, ça me perturbe. J'aime pas trop ça et j'ai envie de monter un peu au créneau. J'ai envie de bousculer un peu tout ce monde-là, tous ces médias-là, tous ces médias à la télé. Il y en a qui me copient. Alors, je fais l'accent marseillais, hein. Bah, vous savez que j'étais à Marseille. Je fais l'accent marseillais et après, à la télé, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui fait l'accent marseillais. Alors après, je fais Beauville ou je fais Louis de Funès. Paf! Et qu'est-ce qu'on fait à la télé? Paf, il refait pareil. Bon, bah, je veux bien. Le hasard n'existe pas. Je veux bien. Et après, je fais l'accent un peu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, je sais plus. En tout cas, on me copie beaucoup. Ça m'énerve parce qu'ils sont connus. Quand vous êtes connus, donnez un coup de pouce aux petits comme moi qui sont pas connus. Voilà. C'était juste un message à tout le monde, surtout à la télé, tout ça. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien de regarder les autres venir prendre les infos puis refaire pareil, d'accord? Nom de Zeus, Marty. Oui, il a même fait. Nom de Zeus, Marty. Tous ceux qui copient, vous pouvez copier, mais l'origine est là, l'origine est ici. Je rigole, c'est pour rigoler, mais bon, ça me perturbe un peu quand même. Ça me perturbe, parce que quand on est connu, on n'a pas besoin de copier les autres, ou alors on donne un coup de pouce à ceux qui en ont besoin. Voilà. Allez, on continue. Ah, il fait de plus en plus chaud ici. Waouh, c'est chaud la patate. Chaud. Allez, on y va. Si l'accouchement va bien se passer, Eliane, bah oui, allez, on souffle. On prend une respiration et on souffle. Non, je sais. Je sais pas trop, moi je suis un vrai gars, hein. Alors moi je suis pas à moitié, moi je suis un gars, il y a les filles, il y a les gars, moi vous savez que je suis surtout connecté à là-haut, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent, mais après, côté accouchement, je sais pas trop, ça va bien se passer, t'inquiète pas Eliane, ça va bien se passer, tu m'enverras une belle photo à tout le monde, et puis on la mettra à tout le monde, et puis on dira peut-être que ça fera un bon pilier du 15 de France. D'accord Eliane, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oui, Lolotte. Allez, Elodie. Allez, je vais faire Elodie parce que Lolotte, elle me dit, oh, Fred, est-ce que t'es abonné à moi, Lolotte? Tiens, je vais regarder avant si elle est abonnée à moi. T'es abonné à moi, Lolotte, ou pas? Est-ce que t'es abonné à moi, Lolotte? Lolotte, est-ce que tu es abonné à moi? Sinon, je te fais pas. Lolotte, c'est Elodie. Elodie, 28 et janvier 1986. Est-ce que le... Kevin. Ah, Kevin. C'était comment? Va revenir dans ma vie. Ok. Kevin. Comment c'était le... Ce que j'aime bien sur TikTok aussi, c'est ça. C'est toutes les vidéos qu'on peut voir. Et puis, tu vas pas foutre le feu à la baraque quand même, Kevin? Non, mais tu vas pas foutre le feu à la baraque? Mais attends, comment il disait? Mais t'es pas net ou quoi, Kevin? Ah, t'es pas net. Mais Kevin, mais t'es pas net. Mais t'es pas net ou quoi? Oui, vous faites bien de vous abonner. Abonnez-vous si vous voulez que je réponde à votre question, hein, sinon je vous réponds pas. D'ailleurs, Elodie, est-ce qu'elle est abonnée ou pas?
Bon, tu veux savoir si Kevin, il est net et si... Bon, il est... Je rigole. Oh, tout de suite. Ouais. Oh, tout de suite, c'est... Tout de suite... Ouh. Oui, t'es abonné, d'accord. D'accord. Alors, Kevin, il veut revenir, c'est ça. En fait, je me rends compte depuis un petit moment. Allez, ici, c'est, vous êtes dans un monde à part. Ici, vous n'êtes pas comme les autres. Un autre médium, un autre voyant vous dira, ah oui, il va revenir. Ah oui, il va pas. Non, non, il va pas revenir. Oui, il va revenir. En fait, je me rends compte qu'en fait, souvent, on vous dit qu'il va revenir, mais en fait, il revient pas. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Et pourtant, quelquefois, c'est possible qu'il revienne. Et quand je dis Kevin, il n'est pas net, ça veut dire que c'est pas lui qui est pas net. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui rentre en... Il y a quelque chose autour qui est là et qui l'empêche peut-être d'être net et qui l'empêche d'être avec toi. Voilà. Surtout que je ressens quelqu'un proche de lui. Tiens, est-ce que tu es la seule fille pour lui? Pas sûr. Moi, je dis toujours la vérité. Tiens, Elodie, Lolotte, haut ou bas? Regardez, je mélange bien. Regardez, hop. Je coupe le jeu en deux, hein. Je triche pas, je regarde pas. On ferme les yeux. Allez, après, je vous chanterai une petite chanson, d'accord? Comme ça, Joe, elle va dire si je chante bien ou pas. En haut ou en bas? Allez, choisis bien. Attention, parce que là, ton destin est en jeu. La vie est un chemin. Il y a des chemins dans la vie, il faut choisir. Ou en haut ou en bas, ou à gauche ou à droite. Choisis bien, Lolotte. T'as choisi en haut? T'es sûr, Lolotte? T'es sûr, Lolotte? En haut? Hop. Ah, il s'est séparé parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Lolotte, c'est ça, hein? C'est ça? Bon, je me sers des cartes, mais j'en ai pas besoin parce que je te l'ai déjà dit. Alors, regardez tous, regardez. Elle a choisi en haut, Lolotte. Ah, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de cartes. En bas, c'était les montagnes. Les montagnes montrent que c'était... Il y a des blocages. Il y a des blocages et il est parti et il y a d'autres, peut-être une autre fille, c'est ce que je ressens, ou peut-être plusieurs personnes autour de lui et ça veut pas faire. Voilà, tu demandes s'il va revenir, donc je pose parce que ça c'était si tu avais choisi en bas, donc les blocages, ils sont présents puisqu'il est plus là. Tu as choisi en haut et regarde la carte d'en haut. Vous allez dire encore, mais Fred du Lac 113 médium, mais c'est un magicien ce gars. Mais ce gars, c'est vraiment un magicien, d'accord? Un petit peu. Mais je suis surtout là pour vous aider. Donc, Lolotte, eh bien, je ne suis pas là pour dire qu'il va revenir. Je ne suis pas là pour dire qu'il va pas revenir. Moi, je suis là pour toi. Et pour te dire que avant que tu dises quelque chose, je t'ai dit que je voyais, je ressentais quelqu'un d'autre proche de lui. Et il y a plusieurs personnes autour de lui. Regarde, Lolotte. Tu sais ce que c'est ça? Cette carte-là, c'est les autres. Ça montre que Kevin, c'est pas qu'il est pas net, Kevin, c'est qu'il est pas honnête. Je dis toujours ce que je vois. Désolé, je suis pas là pour dire oui, il va revenir, oui, il va revenir avec un gros bouquet de fleurs. Non, 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 c'est pas ça ici. Ici, moi, je dis toujours la vérité, je ressens les choses et regarde les autres. Il est entouré par d'autres personnes, tu vois? Et voilà, il est volage. Kevin, c'est pas qu'il est pas net, c'est qu'il est pas honnête. Tu veux que je sois vraiment honnête avec toi, Lolotte, Elodie? Tu perds ton temps avec lui. Désolé de te dire ça comme ça, regarde, je te regarde droit dans les yeux, droit dans la caméra là. Paf, paf! Tu perds ton temps avec lui, vous n'êtes pas sur le même chemin. T'inquiète pas, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a un gars qui arrive. Non, je rigole. Mais t'inquiète pas. Souvent, c'est quand on croit que tout est perdu que toutes les portes s'ouvrent. Donc, pour toi, laisse-le de côté. C'est toujours des conseils que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Peut-être qu'il va vouloir revenir, qu'il va se dire, mince, j'ai un peu dérivé, hein, j'aurais pas dû. Écoute-moi bien, Lolotte. Écoute-moi bien, Elodie. Tu perds ton temps avec lui. Les autres montrent plusieurs personnes et il ne changera pas du jour au lendemain. Fais ton chemin, ne pense plus à lui et tu verras que d'autres rencontres arrivent. D'accord? Voilà. Merci, Lolotte. Merci, ma Lolotte. Merci, ma Lolotte. Bon, vous.
pour ce coup-là, il y avait les montagnes et il y avait les autres. Ça montre que c'est bloqué. En fait, que vous choisissez en haut ou en bas, c'est pareil. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Je vous montrerai un autre exemple, d'accord? D'accord, Lolotte? Bon, bien évidemment, je t'invite et j'invite tout le monde à tous ceux que je réponds. Tu me contactes, Lolotte, sur mon mail, Fred Dulac avec 2D, Fred Dulac 73@gmx.fr. Tu me donnes ta photo, sa photo si tu as. Tu me redis ce que je t'ai dit là et je te confirmerai ou pas. C'est gratos, hein, je demande rien. Alors, il y en a qui disent, ouais, Fred, tu nous envoies sur ton mail, après tu nous fais banquer, bancoute. Non, 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 moi, je vous réponds toujours gratuitement à la première question. La première question, je vous réponds, et là, je t'ai répondu, je vous réponds toujours, je confirme ou pas. Après, je fais des rituels, je suis magnétiseur, je suis guérisseur un peu. Il y en a beaucoup qui savent de plus en plus, et du coup, je suis là aussi pour vous aider. Alors après, il y a plein de choses qui peuvent se greffer, te dire une autre question, qui tu vas rencontrer, quand, comment, ou t'aider dans ta vie de tous les jours. Ça, après, c'est un peu, voilà, il y a des forfaits, c'est pas très cher, mais il y a des forfaits. Mais au départ, tout est gratuit. Voilà, d'accord, Lolotte? Merci, en tout cas, à vous, mes amis. Ben, j'ai chaud là, j'ai chaud d'un coup. Allez, on fait quelqu'un d'autre. Allez, on fait quelqu'un d'autre avant de. Non, on coupe pas. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous savez quoi? Alors attendez, c'est le moment de poser vos questions. Vous me posez votre. Je regarde pas l'écran. Vous me dites votre prénom, votre date de naissance et votre question. C'est maintenant et haut ou bas. Et tiens, moi pendant ce temps-là, vous savez quoi? Je vais mélanger les yeux fermés. Allez, allez, posez-moi votre question. Ça peut vous concerner vous-même. Et je vais regarder la carte qui sort pour moi. Regardez, regardez, je mélange bien. Hein? Regardez, c'est ça la magie ici. La magie, c'est que vous êtes chez un vrai médium. Un médium qui est très très fort. Vous savez pourquoi? Regardez, je prends la première carte qui est ici. Regardez, il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est la première carte. Elle est là. Je la mets là et j'attends votre question. Allez, hop. Papillon 40. Oui, tu as fait un don PayPal, je te répondrai après. Ce n'est pas pour toi tout de suite. Posez une seule fois votre question. Oui, merci. Merci, merci beaucoup. Hop, 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 hop. Oui, après je fais papillon, d'accord. Bien évidemment. Hop. Salut Filou. Comment ça va bien, mon Filou? Désolé, désolé de dire ça comme ça. Alors, il y a quelqu'un, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, mais. Il n'y a pas là, il n'y a pas. Allez, allez, posez-moi vos questions. J'ai pas encore vu la personne. Posez-moi vos questions, vraiment. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est le moment important là. J'ai la carte déjà. J'ai la réponse à votre question. Il me faut la bonne question. J'ai pas vu la personne pour le moment. Posez-moi votre question. C'est pas pour toi, Clara. Peut-être que plus tard, on verra. Là, j'ai une. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, je suis. Si tout le monde va bien, c'est pas grave. C'est important. Moi, je vais pas trop bien, mais c'est important quand même. Ah, pop, 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 pop. Stop here. Stop here. It's you. It's you. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Erdifa. Ah, c'est un peu dur à dire pour moi. Erdifa, c'est ça? Erdifa. Vous avez vu, j'ai choisi la carte avant. Hein? Vous avez vu, elle est là, la carte. Ici, t'es épuisé, Philou, t'inquiète pas, Philou, je vais te faire deux, trois prières, tu vas faire chaud la patate comme moi, après, tu vas péter la patate, tu vas voir. Je te chanterai une petite chanson alors, si t'es d'accord, à tout le monde. Bon, je reviens, c'est important. Rdifa, 22-12-1962. Ah, 22-12-1962, ok. Est-ce que je vais bientôt vendre mon appartement? Voilà, Rdifa, tu vois, j'attendais. J'attendais ce moment-là important, avec importance. Tu sais pourquoi? Regardez, j'ai qu'une carte. Ça fait un moment que je l'ai choisie, hein, que je l'ai tirée, cette carte. Et en fait, je l'ai choisie. J'ai tiré cette carte et en fait, il n'y a pas de haut et de bas pour toi. Tu sais pourquoi, Erdifa? C'est comme ça qu'on dit ton prénom, Erdifa. Donc, tu veux vendre ton appartement, c'est ça? Ah, ben, j'ai loupé la question du coup. Bah, monsieur Fredo, qu'est-ce que tu nous fais là, monsieur Fredo? Il est où? Voilà. Est-ce que je vais bientôt vendre mon appartement? Ok. Alors, si tu vas voir quelqu'un d'autre, il dira oui, tu vas vendre ton appartement. Non, tu vas vendre ton appartement. Non, tu vas pas vendre ton appartement. Voilà.
Karine de Savoie, waouh, comment tu vas bien? Non, c'est pas ça. De Savoie, ben, bienvenue, 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 Karine de Savoie est là, oui, ben, comme moi. Moi, je suis plus de Savoie, mais je suis là quand même. Bon, allez, je reste sur Erdifa. Erdifa, regarde. Tu veux vendre ton appartement et tu sais quoi, Vindhiou? Tu sais quoi, Vindhiou, hein, Erdifa? Vindhiou, c'est ouais, c'est vers la Savoie là-bas. Ils sont bizarres un peu, les gens, comme moi. Allez, je vous montre la carte. Vous voulez que je vous la montre la carte? Allez, on met une petite pub et puis je vous la montre après. Non, non, allez, je suis sympa, regarde. Allez, je suis tranquille là. Je me mets là. Erdifa. Donc, tu veux vendre ton appartement? Et regarde la carte. Je l'ai tirée avant que tu poses ta question. Et la réponse, c'est le commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas vendre ton appartement. C'est certain que tu vas vendre. Par contre, il y a de gros, gros, gros blocages. Alors, est-ce que ça fait longtemps que tu veux le vendre ou pas? Il va falloir que tu baisses le prix et surtout, 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 baisser un peu le prix. Il ne faut pas trop baisser quand on veut vendre. Et surtout, 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 il va falloir attendre un peu. Ce n'est pas le moment. L'hiver, c'est toujours un peu calme, l'immobilier. L'immobilier, c'est toujours un peu calme. Le commerce montre, je maintiens, que tu vas vendre. Par contre, il faut attendre quelques mois encore. Dis-moi ce que tu en penses, Rifa. Dis-moi ce que tu en penses sur ça. Hum. Bienvenue à tous ce soir. Bienvenue, bienvenue. Oui, je réponds à tout le monde. Oui, il faut que je me dépêche. D'accord. Ok, une petite carte pour toi. Ok, Karine. Est-ce que d'abord, abonnez-vous à moi. Hein. Faut vous abonner à moi. Hein. C'est important. Hein. Faut vraiment vous abonner à moi, hein, parce que sinon je réponds pas. Hein. Si vous abonnez pas à moi, je réponds pas. Hein. Bon, Difia, je t'invite à me contacter freddulac113@gmx.fr. Tu me redis tout ça, tu vas vendre. Tu vas vendre, c'est après l'été pour moi. Ah oui, il y a Papillon 40. Désolé, Papillon, je t'ai zappé. Bon, comme le papillon là-haut. Ah, peut-être que c'est un signe. Pourquoi tu t'appelles Papillon 40 et pourquoi là-haut il y a un papillon? C'est sûrement un signe. Difa, regarde. Le commerce est là, tu vas vendre après l'été, en automne 2023. Moi, je suis comme ça, je balance. Maintenant, je balance. Bing, 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 bing. Faudra baisser un peu le prix, mais je t'expliquerai ça en privé. Fred Dulac, avec 2D, Fred Dulac, 73@gmx.fr, tout accroché, et je t'aiderai à vendre si tu veux. On peut essayer, je suis un peu un magicien, ça marche pas tout le temps. Je suis pas là, c'est pas de la poudre à perlimpinpin ici. On peut y arriver. Souvent ça fonctionne, quelquefois ça fonctionne pas, ou quelquefois c'est long. La carte qui est tombée encore, la transformation, ce qui montre que tu vas vendre, je maintiens, d'accord? Voilà, contacte-moi par mail. Tous ceux qui n'auront pas eu de réponse ce soir, contactez-moi par mail. C'est très important et je vous aide. Première question gratuite, deuxième question, 500 balles. Non, je rigole. Comment se griller? Première question gratuite, deuxième question, tout dépend ce que vous voulez. C'est pas très, 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 très cher. Bonsoir, Rose. Bienvenue. Bienvenute, buonasera a tutti, come stai, va bene? Questa sera, si va bene? Oui, Papillon 40, ok, on y va. Papillon 40, donc c'est à toi, merci Papillon. Ah, je vais regarder quand même, Papillon 40. Jennifer, c'est ça ton prénom? Elle est où Papillon 40? Elle est là. Jennifer, ok. J'aimerais savoir s'il y aura un retour de Cédric le 24-9-1982. Ah, t'as déjà choisi en bas et j'ai pas de carte, regarde. J'ai pas de carte et t'as déjà choisi en bas. Ah, on voit qu'elle suit bien, hein, Jennifer. Un retour. Alors souvent, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe en 2023. Tout le monde veut un retour du Dex. Tout le monde veut le retour de lui. Tout le monde veut le retour d'elle. Personne ne veut faire de nouvelles rencontres. On veut tous le retour du passé, retour du passé dans le présent. En fait, peut-être que c'est peut-être un manque de confiance en soi. Confiance en l'avenir. On a besoin d'une structure, une base peut-être terrestre solide, parce que les temps sont pas gais, les temps sont pas forcément positifs. C'est ça, hein? On se maintient au passé, hein? Et pourtant, tu sais, Jennifer, c'est ça, hein? Après, on fera un petit duo. Oui, après, on fera un petit duo.
Allez, pour casser un peu tout ça, pour casser cette ambiance lourdingue. Non, je rigole. Non, d'accord, je continue. Oui, faut pas que je dérive. Donc, papillon Jennifer. Tu sais, tu as choisi en bas et pourtant, pour moi, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe jamais. Tu veux le retour de ton ex et tu sais, le papillon, toi, tu t'appelles Papillon 40, comme le papillon qui est là, t'as vu? T'as vu le décor? Ce beau décor-là? À part moi, hein? À part moi, vous me cachez comme ça. Regardez le décor. Il est beau, le décor. Et c'est un peu ce que je ressens. Le hasard n'existe pas. C'est pas Kevin, hein? Comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Aïe, 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 tu dérives, Fred du Lac. Tu dérives, tu dérives. Un retour de Cédric. Cédric, c'est un peu ça. C'est un peu comme les papillons. C'est joli. C'est joli à l'extérieur. C'est joli quand on regarde tout ce qu'il y a autour. Et pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose qui me dérange. Quelque chose qui me dérange. Le fond du cœur, au fond du cœur, il y a quelque chose qui me dérange. Toi, t'es positive. Toi, t'es. Allez, j'ai pas encore tiré de carte, regardez. Hein. Là, ton guide est déjà à fond. Hein. Ton guide est déjà à fond. Il me dit, tu veux vraiment, vous voulez vraiment que je vous dise ce qu'il me dit, ton guide? Ah tiens, si je te, tiens, vous voulez qu'on fasse un truc? Allez, parce que on me dit, oh Fred Dulac, 73 médium, il sert des cartes, un machin. Tiens, je vais pas me servir des cartes. Ton guide, tiens, je vais essayer de te dire un prénom. Est-ce que ça te dit quelque chose un prénom? Alors, attends, faut que je mette un peu de. Pour moi, tu sais, j'ai. Tu sais, moi, maintenant, je me fais un peu vieux. Hein. Mais. Non, je me concentre. Est-ce que tu sais qui est ton guide, Jennifer? Tu sais qui c'est qui est ton guide, Jennifer? Si je te dis que c'est un homme, est-ce que tu as toujours ton papa, ton grand-père, ton cousin? Ton frère, un homme est là. Ah, toi, t'as tout le monde. T'as ton frère, ton père, ton grand-père. Tout le monde est présent. C'est ça. Et pourtant, je ressens un homme qui est là. Oui, attendez, on va passer en live. Attendez, attendez les amis, on fera un petit live après si vous voulez. Un petit duo, mais attendez, là, je suis en connexion. T'as pas de frère. Ton papa, tu l'as. Comment il s'appelle ton papa? Alors, en principe, les modos, elles doivent dire, ah, Fred Dulac, il se trompe jamais. Purée, mais. Je vous paye pourquoi les modos? Non, je les paye pas. C'est pour rire. Ah, t'as tout le monde. Tiens, c'est marrant ça. Alors, qui c'est que je vois là alors? Pourtant, un homme est là. T'as tout le monde autour de toi et pourtant, je vois une présence masculine. Si je te dis. Alors, attends, faut que je me concentre un peu parce que ça se passe pas comme ça. Hein. Après, il y a des. Il y a des médiums, mais ouais, ils ont en connexion tout de suite. T'as même pas posé la question qu'ils sont déjà en connexion, machin. Hop. J'ai besoin de connexion. Merci. Ah, il s'appelle Philippe. Il s'appelle Philippe, ton papa, c'est ça? Alors. Est-ce qu'un certain Bernard te dirait quelque chose? Est-ce que Bernard te dit quelque chose? Elle va me dire, Bernard? Non, connais pas. J'ai souvent le cas. Bernard, non. Alors, ça peut être Bernard comme ça peut être... Bernard. Ou ça peut être Richard. Je peux me tromper de pas grand-chose. Ça te parle pas, Bernard, Richard, tu connais pas, c'est ça.
Eh oui, Joe, eh oui, j'ai dit le prénom, mais t'es pas la seule, hein. Il y en a plein que j'ai en consultation privée et puis ça fonctionne à chaque fois. Enfin, c'est pas que ça fonctionne, c'est que c'est la réalité. Bon, après ça marche pas tout le temps parce que là je suis un peu déstabilisé pour le live, mais peu importe qui c'est en fait. En fait, tu m'as dit Philippe, il y a toujours. En fait, je vais vous dire vraiment ce que. Ça me fait rire aussi, ce qui me fait rire aussi, parce que souvent, il y en a qui sont là sur le live et puis qui disent, oh, mais non, je vois pas, machin. Puis après, ils reviennent et puis ils disent, ah oui, mais j'avais pas pensé à cette personne. Ah oui, mon. Enfin, bref, je suis pas là pour ça. Tu m'as parlé de Philippe, ça me fait penser au roi, et ça me fait penser peut-être pas à Bernard, mais peut-être plus à Richard. Et Richard, ça me parle bien, c'est ça le guide. Et je pense que tu devrais demander à peut-être à tes parents, voire à tes arrière-grands-parents, peut-être que Richard te dirait quelque chose. Richard, même au niveau de la royauté française, est-ce que ça te parle ou pas? Peut-être oui, peut-être pas. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça ici. Oh, peut-être que si tu t'es trompé, Fred Dulac, c'est Denise ou c'est Maurice ou c'est Armande. Non, 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 non. Si on me parle de Richard, c'est pas pour rien. Donc vraiment, demande à tes parents, demande à tes arrière-grands-parents si tu peux, un Richard qui est proche de ta famille, qui était dans la royauté, parce que c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ce que je ressens. T'as une génétique un peu dans la royauté. Donc je suis parti loin, 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 loin dans la royauté parce qu'ils montrent plein de choses. Et du coup, ta question, c'était quoi? Tu demanderas, tu reviendras par mail. freddulac113@gmx.fr, papillon 40. Hein. Je vous en reparlerai plus tard. Vous verrez, je vous en reparlerai okay, dans un prochain live. Après, l'erreur est humaine. Hein. L'erreur, je suis pas un ange encore. Voilà, je peux me tromper. Mais quand on parle de Philippe, son papa, ça me fait parler roi Philippe, et on parle tout de suite de Richard. Et Richard, cœur de lion, Richard, au niveau de. Bref. Moi et l'histoire, ça fait deux. Mais en tout cas, il y a quelque chose de royauté, il y a du royaume là-dedans, et tu verras que tu me rediras que sûrement j'avais raison. D'accord? Oui, Richard, cœur de lion, eh oui. Alors, c'est quoi ta question, Papillon 40? C'était quoi sa question? Je ne sais plus ce que c'était ta question, du coup. Est-ce que quelqu'un peut nous la remettre? Et après, on fera un petit duo et après, je ferai une petite pause. Retour de Cédric. Je parle des rois, je parle de ci, je parle de là. Tu sais, à l'époque des rois. Je suis allé un peu à l'école et à l'époque des rois, ben, les rois ne se mélangeaient pas avec le bas des. Avec les gueux, hein. C'est comme ça qu'on dit. Baf! C'est un peu ce qui se passe. Et en fait, pour moi, Papillon, c'est Jennifer, hein, c'est ça? C'est Jennifer, Papillon 40, c'est Jennifer. Pour moi, Cédric n'a pas été trop accepté dans ta famille. Est-ce que c'est le cas ou pas? Voilà, il va me dire, pas du tout. Hein. Faites du live. Allez, on coupe le live. C'est fini. Ah, j'ai pas tout faux donc. Pas trop accepté dans ta famille. C'est pas trop la même le même niveau social. Tiens, bizarre. On parle de Philippe, on parle de Richard, on parle de Richard Cœur de Lion, on parle de la royauté, du royaume. Je te dis que toi, t'étais d'une famille élevée. Et que Cédric est pas du tout. Et pas du tout de ton niveau social, hein. C'est ça, Papillon 40? Vous avez vu, j'ai bien mélangé le jeu? Regardez. Ça, c'est la magie, Fred, du Lac 113 médium. La magie, ça veut dire que l'amour est là. Et je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour entre toi et entre lui. L'amour est présent.
Ça veut pas dire qu'il va revenir, ça veut pas dire que ça va le faire. Maintenant, tu veux savoir parce que je suis médium, tu vas me dire, ah, oh, mais médium, tu me dis pas alors, qu'est-ce que tu fais, médium? Il y en a souvent, ils m'appellent en médium. Non, mais moi, c'est Fred du Lac, c'est pas médium. Médium, c'est après, je suis Fred du Lac, je suis comme vous. L'amour est là. Et quand je vois l'amour, eh bien, tout est possible. Il y a toujours la possibilité. Ça ne veut pas dire que ça va faire. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'amour pour toi. Vraiment, Jennifer. Il a beaucoup d'amour pour toi. Il y a... Tu vas avoir un choix à faire. C'est où tu fais le choix de ta lignée familiale. Tu restes concentré vers ta famille. Il y a toujours des choix dans la vie. Où tu restes sur ta famille, où tu vas vers lui, qui t'aime beaucoup. Amour de la famille, amour vers lui. On est toujours tiraillé comme ça. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à droite, un coup à gauche. Je te le répète encore une dernière fois, il a beaucoup d'amour pour toi. D'ailleurs, c'est le mariage céleste. C'est chaud, hein? C'est chaud la patate. Il va falloir que tu fasses un choix, d'accord? Je pense que c'est possible, vraiment. Freddulac113@gmx.fr, tu reviens par mail, tu me donnes ta photo, sa photo, les dates de naissance, tu me redis ce que je t'ai dit, parce que demain, ben, je vais avoir pas mal de mails et je vais dire, ah oui, je me rappelle qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je lui ai dit. Tu me redis bien ce que je t'ai dit, c'est possible, son retour, et c'est possible que vous avanciez ensemble. Parce que, il a de l'amour pour toi, tu as de l'amour pour lui, même si la famille n'est pas trop d'accord. Il y a quoi derrière? Ça vous dit de regarder ce qu'il y a derrière la carte? Eh oui, les blocages de la famille qu'elle a. Oh, l'abondance, l'abondance. L'argent est là. C'est ce qui bloque. Quand il y a de l'argent, il y a ou l'argent ou l'amour. Parfois, il y a les deux, mais là, il y a ou l'argent ou l'amour, ça bloque. Voilà, j'arrêterai là pour toi. Contacte-moi par mail, d'accord? Allez, ouais, j'ai chaud, je sais pas si c'est le chauffage ou quoi, mais j'ai chaud la patate, hein. Allez, comment vous allez bien tous? Vous allez bien? D'accord? Ah, il te doit de l'argent. Ah, c'est bizarre, l'argent ressort. L'argent ressort. L'honnêteté, l'amour est là, avec l'argent, tout est mêlé, la famille, histoire compliquée. Et pourtant, je maintiens que l'amour est là pour toi, Jennifer, d'accord? Voilà. Pourquoi tu dis oui lol? Oui lol. Oui lol en grand. Ça, c'est un peu pour me casser moi, hein. Bon. Eh bien, je t'invite à me contacter par mail. Fred de l'accent 13 gmx.fr. Comment vous allez bien, tout le monde? Ça va? Ah, c'est le bout du tunnel, Karine. C'est ça? Allez, elle est où, Karine? Allez, elle est là. Hop. Hop. Elle est là. Ah, moi, je peux pas t'inviter. J'allais faire un duo, justement. Allez, comme je suis sympa, hein, comme ce soir, je suis sympa, que ça fait longtemps que je n'ai pas été en live. Eh bien, je t'invite à me contacter par mail et puis je te donnerai un message de ton guide, qui est une femme, toi. Une femme très, 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 très jeune. Tiens, bizarre. Une femme jeune. Attendez, attendez, doucement, les amis. Je rêverais que mon guide me dise enfin un message positif. C'est le bout du tunnel, là. Ah, en fait, tu te demandes. Ouh, les cartes qui tombent, ou plein de cartes qui tombent, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ta vie terrestre est pas facile. Le bout du tunnel, là, t'aimerais bien voir le bout du tunnel. C'est ça. Allez, tiens, une petite carte pour toi. Message de ton guide. Regardez, regardez, je mélange bien. Hop, vous avez vu, il n'y a pas de trucage. Regarde, je te demande pas où est bas, là, je vais prendre la moitié du paquet comme ça. Message de ton guide, c'est quoi pour toi? Le bout du tunnel ou pas? Hop. Et c'est quoi? Hop, c'est la mer. C'est la mer. Et la mer, tu sais ce que c'est la mer? C'est peut-être un chemin de vie pas facile pour toi. Et mariage bof. La mer. Oh, elle est où la carte? Mince, j'ai perdu la carte. C'était pas prévu. Bon, bref, on va poser les cartes. Je vais boire un coup d'infusion, puis on va réfléchir à la question. Tiens, réfléchissez-vous. La mère par rapport à Karine, elle dit, est-ce qu'elle va voir le bout du tunnel? Mariage bof. Donc t'es marié. Je t'ai fait une demande pour monter. Ça veut dire quoi ça? Je t'ai fait une demande pour monter. Pour monter quoi?
Allez, ça commence. Bon, allez, après, on va se faire une petite chanson, hein. Alors, une petite chanson, allez, après. Comme ça, tu me diras si je chante bien, Joe, d'accord? Joe, tu me dis si je chante bien, hein. D'accord? Non, on va se faire un duo et après une chanson. J'ai besoin de boire un coup parce que je parle beaucoup. Donc, le bout du tunnel dans ton couple, ça va pas, c'est ça? La mère. Abonnez-vous, oui, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous, abonnez un abonnement, prénom, date de naissance, question haut et bas et je vous réponds. Je réponds à votre question. D'accord? Tu sais plus quoi faire. Oui. Je pense que c'est chaud, hein. Don PayPal de 10 euros ou cadeau perle dans sa coquille pour ceux qui passent en priorité. En fait, pourquoi on parle? Ça dit quelque chose, Serge? Karine? Est-ce que Serge te dit quelque chose? Pourquoi ton guide me dit Serge, Sergio, Serge? C'est pas Sergio Ramos, hein? Pourquoi ça ne te parle pas? Bah, décidément, merci les guides. Ah bah dis donc, ils sont sympas ce soir. Bah, les guides, ils me disent des prénoms qui sont pas d'actualité. Ah, pourquoi alors, Serge? Bref, bon, pas du tout. Ça veut dire Fred. Reste pas là-dessus, passe, parce que sinon. Désolé, je parle tout seul. Mariage compliqué, la mère qui monte les échanges. Les échanges, il n'y a plus beaucoup d'échanges, il n'y a plus beaucoup de communication. Allez, je reviens vraiment dans la médiumnité, hein, c'est ça? Oui. Donc, la mère, les échanges, les contacts, on s'entend plus trop, on n'est plus sur le même chemin, on se demande ce qu'on fait ensemble. Et ça, on avance ensemble, mais il y en a un qui fait un pas à gauche, l'autre qui fait un pas à droite, c'est ce qui se passe pour toi. C'est ça, Karine? Je t'invite à me contacter par mail. Je sais pas pourquoi j'ai mal au poignet. Ça veut dire quoi, le mal au poignet? Ça veut dire que, eh bien, c'est comme s'il te tirait par la main, ou toi, tu le tires. Non, t'essaies de le retenir. Ou il essaie plutôt de te retenir. Mais il n'y a plus beaucoup d'accroches. Et c'est pas facile parce que je vois que ça va pas être facile. Il faut absolument avoir une aide extérieure pour vous en sortir. D'accord, Karine, c'est ça? Elle est là, Karine, ou elle est partie? Qu'est-ce qu'il me raconte, Fred Dulac? Qu'est-ce qu'il me raconte, Fred Dulac? Bon, il chante bien, il danse bien, il a des bonnes chansons, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et n'oubliez pas de tapoter, hein. Il faut tapoter, hein. Okay. On est à combien là? 46 000. Wow. D'habitude, on est à 200 000 à ce temps-là. Elle est où, Karine? Elle est là? Ouais, tu vas pas me dire qu'elle est partie quand même. Elle est partie, Karine. Attends, Sandrine. Ah, elle a parfois peur. Regardez, maman. Enfin, vous voyez peut-être pas, mais j'ai mon poignet qui me fait mal. Et c'est comme s'il voulait te retenir, comme si tu voulais le retenir, ou peut-être comme si il t'empêchait de partir. Ça serait plutôt dans ce sens-là, Karine. Il t'empêche de partir et ça te fait mal au poignet. T'as mal au poignet ou pas? Pourquoi j'ai mal au poignet? Tu veux me dire, Karine? Ah, là on rigole moins déjà. Là, ça fait moins rire. Là, on se dit, ah, Fred Dulac, il est marrant, il chante bien, hein, mais il est peut-être pas si mauvais en médiumnité, hein. Ah, et Karine a dit, regardez, regardez, regardez tout le monde, regardez. Après, vous allez me dire, oui, mais Fred Dulac 113 médium, il connaît Karine. Non, je la connais pas. Regardez, regardez ce qu'elle met. Elle a mal au poignet. Et elle a mal au poignet. Ça montre qu'on veut la retenir. Ça montre qu'il veut la retenir et que pourtant, quand quelqu'un veut partir, on ne peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. D'accord, Karine? J'ai quand même, vous savez, hein, tous ceux qui me connaissent, que j'ai vraiment mal. Ouais, je comprends. Je comprends. Je comprends, Karine. Je t'invite à me contacter par mail. Fred Dulac, avec 2D. 2C, 2A, 2B. Non, 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 non. Fred Dulac 113@gmx.fr.
Oh, pardon, pardon pour la caméra, elle a bougé. Oh, pardon, et paf! mal au poignet. Pourquoi j'ai mal au poignet? C'est parce que ça tient à pas grand-chose. Il te retient, vous êtes plus sur le même chemin, il a beaucoup de difficultés. Contacte-moi par mail. Je sais bien que t'es trop mal, je rigole, je suis dans la bienveillance pour tout le monde parce qu'on est en live. Mais je ressens bien ta. Surtout, je ressens bien ce mal-être que tu as de. Un peu de. D'être retenu comme ça. Parce que tu aimerais bien partir, mais tu peux pas. Et lui, voilà. Fred du accent 13@gmx.fr, tu me donnes ta photo, la sienne, vos deux dates de naissance, tu me redis ce que je t'ai dit. Et je te confirmerai, et plus je peux t'aider vraiment. Vous savez que je fais des rituels, de la magie blanche, toujours dans la positive attitude, la PPA, et je peux aider à débloquer votre situation, à vous aider dans votre situation. Ça marche pas à 100%, je suis pas là pour vous raconter n'importe quoi, mais quelquefois, souvent ça fonctionne, quelquefois ça marche pas, mais souvent ça fonctionne. Quelquefois c'est un peu plus long que prévu, mais ça fonctionne. Et surtout, ça vous aide. C'est pour ça que tout le monde m'aime. Tout le monde aime les chaudes patates. Tout le monde aime les patates chaudes. Voilà. D'accord? Merci Karine. Reste positive dans les pensées. PPA. Plus tu vas rester positive dans les pensées, et plus tu vas avancer, plus tu vas pouvoir faire la vie que tu veux. Tu comprends? Plus tu vas rester dans tes pensées négatives et tu te poses des questions, et plus tu vas rester centré plus sur toi, sur les autres. Recentre-toi sur toi-même. Reste dans tes pensées positives. Contacte-moi par mail, je t'aiderai, vraiment. Oh, Joe! Oh, Joe! Joe! T'adores les patates, hein? T'aimes bien les patates chaudes ou pas? Oui, Joe, quel est ton guide? Oui, je devais te le dire, c'est vrai. Je te l'ai jamais dit, tiens. C'est bizarre, ça, je te l'ai jamais dit. Allez, du coup, ben, tiens, je verrai après si je peux te le dire, Joe, d'accord? Tu m'en veux pas si tu passes après. Je vais essayer de me concentrer un peu, je vais faire un duo. Je vois avec qui je peux faire un duo et avec qui on peut danser un peu. Ça vous dit? Allez, on va changer un peu ça. En tout cas, je suis là pour répondre à vos questions. Un abonnement, votre prénom, votre date de naissance, votre question et haut ou bas, et je réponds à votre question, d'accord? Allez, hop. Il y a quelqu'un qui vient m'embêter. Je demande au modo de faire attention. Il y a quelqu'un qui est faux sur le chat et qui vient m'embêter ici. Parce que je me suis brûlé la main, je me suis brûlé le doigt. Et quand je me brûle le doigt, ça veut dire que quelqu'un n'est pas sincère sur le chat. Voilà. Allez, on fait un petit duo, ça vous dit? Allez, je vais essayer d'inviter quelqu'un. J'ai une petite idée. J'ai un peu prévu la chose. On va voir s'il veut vraiment, s'il est en live et s'il veut venir un peu avec moi, si on va danser un peu. Hop. Ah. Alors attendez, je regarde, hein, je regarde, je regarde, je regarde. Ah, oh, maintenant, invité, il n'y a pas hôte. Attendez, hein, je suis en train de regarder, on va voir s'il est là. J'espère qu'il est là, il m'a dit qu'il serait là ce soir. Alors, s'il n'est pas là, ça ne va pas aller, hein. Là, je suis en colère. Oh, il n'est pas là. Bon, tant pis. Bon, allez, on va essayer de faire un duo avec quelqu'un. Tiens, est-ce que quelqu'un veut danser? Dites-moi sur le chat. Est-ce que quelqu'un veut danser sur ma musique? Je veux voir comment vous dansez. Alors, il faut afficher le. Hop, je vais tourner un peu ça. Il faut afficher la caméra. Je veux vous voir danser. Hein. D'ailleurs, le challenge Show Patate Dance est toujours d'actualité. J'ai reçu beaucoup de vidéos, beaucoup en privé, donc je ne vais pas les montrer à tout le monde. Il y en a qui ne veulent pas passer devant la caméra. Mais j'ai beaucoup de danse Show Patate. Et donc, je vais faire un tirage au sort. Bien évidemment, d'accord? Allez, anonyme. Hop, c'est qui anonyme? On va voir. Ah ben non, 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 Joe, si t'es dans ton lit, c'est pas la peine. Hop, allez, on va voir si quelqu'un veut danser. Ah, moi je veux quelqu'un qui danse ce soir. Vraiment, qui danse sur ma danse. Qui danse sur ma danse, ça se dit ça? Qui danse sur ma danse? Alors, personne ne veut danser. Merci de tapoter. Merci, merci, merci tout le monde de tapoter. Allez, dansez. Vous voulez pas danser?
Ah bah, tout le monde est dans son lit à part moi. Bon, moi, je vais me mettre dans mon lit. Hein. J'ai enlevé mon t-shirt et puis on va tous. Il n'y a personne là qui veut danser. Tu danses mal, mais on s'en fout. Qui veut danser? Jérôme. Jérôme Baron, tu veux danser? Ah, bah, personne veut danser. Allez, je vais essayer d'inviter du monde. Tiens. Hop. Ah, bah, je connais bien quelqu'un qui veut danser, mais. Hop, alors attendez, attendez, attendez. Hop. Bon. La duchesse. On va essayer. La duchesse, peut-être qu'elle danse, elle. Caroline, tu danses? Qui c'est qui veut danser sur la musique? Ah tiens, je vais mettre un peu la musique. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé, hein. Si tout le monde me regarde dans son lit, je sais pas comment on va faire. Ah, on est embêté, hein. À chaque fois, j'invite Kate et puis à chaque fois. Personne qui veut danser. Bon, allez, on va répondre aux questions alors. Allez, on répond aux questions, j'ai compris. On y va, les questions. Donc, votre prénom, votre date de naissance, votre question est haut ou bas. On continue. Vous ne voulez pas danser? Bon, on va répondre aux questions. Je vais mettre ça comme musique. Allez, on répond aux questions. C'est parti. Allez, je réponds à beaucoup de monde maintenant. Caroline, abonnée, merci. 3-8-1900. Est-ce que Brian va-t-il me donner des nouvelles? Ok, Caroline, Brian, tu m'as pas dit haut ou bas? Carte du haut ou carte du bas? Il y a une carte qui est tombée, c'est quoi la carte qui est tombée? L'hiver. Pas forcément les blocages, l'hiver. Haut ou bas? Pour Brian. Ok, tu as choisi. Est-ce que tu es abonné, Caroline? Tu es abonné? Allez, ok, on y va. Ok. Regardez bien, je mélange. Je mélange, je fais une tolie coin-coin, une tolie coin-coin-coin-coin, une tolie coin-coin-coin-coin-coin. Allez hop. Au milieu, donc tu as choisi en haut ou en bas. Ça fait bizarre. T'as choisi en haut, Caroline, c'est ça? En haut ou en bas? Alors elle va me dire, mais non, c'était pas celle-là. En haut ou en bas? Ah, sacré Fred D-like. Allez, je pose le jeu là. Bon, c'est bien ce jeu-là, hein. En haut, merci. Alors, quand on dit merci, c'est qu'on est stressé un peu. On se dit, voilà, oh là, merci. Oh, en haut, merci, Fred Dulac, merci, merci. Allez, est-ce qui. Donc, ta question, c'était quoi, Caroline? Attends, parce que je rigole, je fais le zouave un peu. Je fais le zouave, mais il faut que je réponde quand même à ta question. Est-ce que Brian va-t-il te donner des nouvelles? Vous avez vu, elle a choisi en haut, donc c'est bien cette carte-là. Hein. C'est bien cette carte-là. Et sa question, c'était quoi? Est-ce qu'il va donner des nouvelles? Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours dit qu'ici, vous êtes chez chez le meilleur médium de France et peut-être plus encore. Vous savez pourquoi? Parce que regardez, je prends la première carte. Hein, regardez, c'est la première carte. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, il n'y a qu'une carte. C'est la première carte devant. J'ai pris la carte.
C'est vraiment la première carte, hein? C'est la première carte, Caroline, t'as bien vu? Effet de suspense. Je fais du suspense parce qu'ici, les guides sont là. Ton guide est là. Ton guide. Et je dirais même que c'est quelqu'un un peu. Une personne qui était âgée sur Terre, mais qui avait beaucoup de cœur. Il avait tellement beaucoup de cœur que tu sais, son message qu'il veut te faire passer, que je dois te faire passer, qui vient de lui. Moi, je ne pense rien. Je suis qu'un messager. Tu m'as demandé s'il allait te donner des nouvelles. Vous voulez voir la carte ou pas? Vous voulez me voir moi? Moi ou la carte? Regardez. Eh oui. Ça, c'est la magie. C'est les nouvelles. Eh oui, Fanny. Fanny, elle fait comme si elle était encore. Quoi, c'est pas possible? Tu me connais ou pas, Fanny? Les nouvelles. Il va te donner des nouvelles, Caroline. Pour moi, c'est certain. C'est toi qui as choisi en haut. C'est toi qui as choisi cette carte. Vous avez vu, j'ai bien mélangé, hein? Vous savez voir quand s'il vous plaît. Vous savez voir quand. Alors, tu peux. Quelqu'un peut me traduire? Désolé, je rigole pas de toi, Caroline, mais c'est le vous savez voir quand qui me fait rire. Vous savez voir quand, ou alors vous savez quand voir. Ah, vous savez quand voir quand. Ah, une date ou une saison. Ok. Zen. Zen. Cette attitude. Allez, donc. Désolé. Oh, purée. Purée. Attendez, attendez. Attendez, je coupe le son parce que j'en peux plus. Ouais, ici, il fait chaud. Bon, alors. Caroline. Caroline, désolée. Donc elle m'a demandé si elle allait avoir des nouvelles. Elle va bien avoir des nouvelles. Bon allez, j'arrête. Parce qu'après on va me dire, Fred, t'es un vrai pitre. Fait chaud là. Fait chaud. Hein. Chaud patate ici. Bon, des nouvelles pour toi, Caroline, c'est sûr. Alors tu veux savoir quand? Comme tu veux savoir quand, je vais pas te dire quand. Mais regarde, parce que l'autre jeu est là, hein. Je l'ai posé là, j'ai pas touché le jeu, tu vois. Mais regarde, la magie opère, parce qu'ici, t'es chez un magicien, t'es chez un. Oh, c'est dur à dire ça. Essayez chez vous, t'es chez un messager. Essayez de dire, vous, chez vous. Vous regardez tous ceux qui sont dans le lit là, dites avec votre oreiller ou avec votre nounours à côté. Vous êtes chez un messager. C'est ça que je voulais dire. Vous êtes chez un messager. Voilà, je suis un messager. D'accord? Voilà. Hop. Regardez. Les nouvelles pour toi. Allez, j'arrête de rigoler. Parce que l'autre carte qui était, en fait, que tu as choisi en haut ou en bas, je sais plus ce que tu as choisi. Mais l'autre carte, c'était l'initié. Et tu sais quoi, l'initié, ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne. L'initié, c'est un peu la personne qui te correspond vraiment. Et donc, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent parce qu'il y a vraiment possibilité. Ça ne veut pas dire que c'est sûr à 100%. Pas sûr que c'est à 100%. Nom de Zeus, Marty, comment ça, pas sûr à 100% alors que tu sors l'initié, Fred du Lac? Eh oui, c'est pas sûr. Mais l'initié, c'est que c'est quelqu'un qui te correspond vraiment bien. C'est pas pour tout de suite, 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 tout de suite. Fin de l'hiver, je sais pas quand c'est la fin de l'hiver. Peu importe, retiens pas de date. L'initié montre que tu, il y a vraiment une possibilité entre vous. Voilà, on regarde pas le reste, d'accord? Contacte-moi par mail, Fred Dulac avec 2D, Fred Dulac 113@gmx.fr. Voilà,
Fin mars. Fin mars. Plus qu'un mois à attendre et puis il va revenir. Et puis vous allez vous faire mimi tout le monde. Et puis voilà, tout le monde va bien se sentir. Et tu diras merci Fred du lac. Voilà. Non, Caroline, je rigole. Fais voir d'ailleurs. Ah, bah, je vais regarder là, tiens. Je vais regarder là, Caroline. Hop, fais voir. Nana Rose, c'est ça? Comment tu t'appelles? Nana Rose. Ah, ok, je vois. Je regarde un peu ton profil. Je peux, hein? Je peux, Caroline? T'es quelqu'un de joyeuse, t'es quelqu'un qui aime faire la fête, t'es quelqu'un qui est proche de la famille, t'es quelqu'un qui veut beaucoup donner d'amour, quelqu'un qui est proche de sa maman, hein, c'est ça? Quelqu'un qui veut beaucoup donner. Et tu sais, quand on donne beaucoup, quand on donne beaucoup, eh bien, parfois ça peut faire peur. Canalise ton cœur. Canalise tes. C'est dur à dire ça quand on a beaucoup d'amour à donner, il faut canaliser. C'est dur à dire. Et pourtant, c'est la vérité parce que ça peut faire peur. C'est ce qui se passe. Canalise tout ça. Zen attitude et tu verras qu'il te donnera des nouvelles. D'accord? Contacte par mail fred@gmx.fr. Allez, on est obligé de continuer. Elle t'a abandonné, hein? Ah, elle t'a abandonné ta maman. Et pourtant, tu restes sur ta maman, c'est ça? Tu restes beaucoup attaché à ta maman. Elle t'a abandonné? Tu sais, des fois dans la vie, alors je ne suis pas là pour dire plein de choses, mais vraiment, c'est le message de là-haut. Je vous transmets toujours les messages de là-haut. Ta maman, elle n'a pas pu faire autrement. C'est le cas pour ta maman, mais pour beaucoup d'âmes sur Terre, des fois, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Des fois, on est oppressé, voilà, on est bloqué, on ne fait pas ce qu'on aimerait faire. Et ta maman, elle t'aimait beaucoup. Et je vois qu'il y a beaucoup ce sentiment-là qu'il y a entre vous encore. C'est ce que j'ai ressenti beaucoup. Et il faut garder ça en toi, vraiment. Faut pas te dire que les histoires se répètent. Tu comprends? D'accord, Caroline? Voilà. PPA. Pensée positive, attitude. On pense positivement avec l'attitude qui va avec. D'accord? Voilà. Contact par mail. freddulac73@gmx.fr. Allez, on continue. À qui le tour? Tous ceux qui arrivent. Merci de vous abonner, de liker, partager. Partager! Et peut-être un duo à faire ou pas alors? Et sinon, donnez-moi vos questions. Ah non, pas de duo. Ok, allez, on va essayer de faire. Tiens, je vais essayer de faire un duo pour répondre à la question. Par exemple. Hop. Allez, Krishna 242. J'essaie d'inviter quelqu'un en duo pour que ça change un peu, pas que je sois tout seul à parler. Après, vous acceptez ou pas, hein. C'est comme vous le sentez. Si vous le sentez pas, faites-le pas, parce qu'avec moi, ça dérive toujours un peu. Après, ça peut partir un peu dans tous les sens. Mais c'est toujours bien d'avoir un duo, ça change un peu que je parle tout seul. D'ailleurs, en parlant de ça, à que, peut-être que samedi prochain, il y a peut-être un live message des stars du ciel, numéro, je sais plus combien, sur l'autre réseau social, sur YouYou. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et venez sur l'autre réseau social pour participer au message des stars du ciel. Et oui, message des stars du ciel, ça fait un moment qu'on n'a pas fait et là, je suis en pleine forme, donc on va le refaire. Ok, oh d'accord, Christine, Krishna. Allez, je vais répondre quand même à ta question, Krishna. Hello, Krishna, hop. Est-ce que Loïc voudra faire du sérieux avec moi? Alors, si t'es pas seul, c'est que t'es avec Loïc. Donc, tu dis ça en fait pour me tester, c'est ça? Tu me testes. En fait, Loïc, il est à côté de toi, puis. T'es en train de me dire, ah oh, tiens, on va voir ce que le médium, là, Fred Dulac, il est en train de me dire. Ouh, il y a une carte qui a volé. Une carte qui a volé, hein. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui qui est à côté de toi, alors ça veut dire que t'es avec quelqu'un d'autre. Bon, comment il s'appelle? Bientôt, c'est pas Fred Dulac médium, c'est Fred Dulac qui fout le beans. Fred du lac, Mr. Beans. Ah, c'est ta sœur. Oh bah, ou oh, désolé alors. Ou oh, désolé. Ouh là, ça rigole plus là. Alors là, ça rigole. Moi, je suis toujours un peu comique, hein. D'accord? Je suis toujours, toujours. Bah, pourquoi tu. Ah, parce qu'il y a ta sœur à côté de toi. Bon, allez, je te montre quand même la carte qui a volé. C'est la lumière. Ça montre que la lu. Ça montre.
C'est quoi ta question? Parce que oui, je rigole beaucoup, mais après, il faut que je reprenne la question. Hop, 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 hop. Evelore, c'est pas elle, Evelore. Non, j'étais avec Krishna. Krishna, Loïc voudra faire du sérieux avec moi. C'est bizarre ta question. Loïc voudra faire du sérieux avec moi. Allez, dis-moi haut ou bas. Tu veux la carte du haut ou la carte du bas? Regardez bien. Regardez bien. Attendez, attendez, attendez. Hop. Ça, c'est en haut. Et ça, c'est en bas. Là-haut ou là-bas? Une relation sérieuse. Tu veux une relation sérieuse en haut ou tu veux avoir une relation sérieuse en bas? Attention, attention, attention. Fais très, très attention. Le choix est comme dans la vie. Le choix est très important. Mais écoute bien ce que je te dis. Le choix est très important. Il faut absolument que tu choisisses la bonne carte. Si tu choisis pas la bonne carte, c'est pas le même résultat. C'est comme dans la vie. Si on fait pas les bons choix, le résultat ne sera pas le même. Le haut. Le haut, c'est celle-ci, hein, d'accord? Donc, regardez. Le bas, je l'enlève et je vous montre quand même la carte. C'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. C'est la première carte. Alors, comment je peux faire pour que vous voyez bien? Parce qu'après, on va dire que Hop, c'est celle-ci. Si tu avais choisi en bas, tu sais, Krishna, si tu avais choisi en bas, là, c'est comme dans la vie. Parfois, il faut savoir choisir. La carte, c'est elle était. Elle était, tu sais quoi? Ça montre la chaleur. Ça montre que c'est chaud la patate. C'est vraiment chaud la patate. Et toi, t'as pas pris la carte du bas. Ouf, j'allais dire ouf. Parce que la carte du bas, c'est que c'était râpé en fait. Dès qu'il y a la chaleur, même si on aime bien l'été, c'est qu'il va y avoir des tensions. C'est qu'il va y avoir des conflits. C'est qu'on va pas être bien. D'accord? Et pourtant, tu es bien guidé. Comme la plupart d'entre nous, les plupart des âmes évoluées sont guidées, sont bien guidées. Tu as choisi le haut, et tu sais quoi? Regardez bien. Première carte, c'est toujours la même carte. Ah, attends, après on va faire un duo avec Chérie, là, elle va me dire, oulala, elle va me dire, qu'est-ce qu'elle va me dire, Chérie? Elle va me dire, oh, médium, maintenant. On va voir. Je reviendrai après vers toi, Chérie. Regardez bien. Regarde bien pour toi. Krishna. Donc tu m'as demandé, je sais plus quoi. Tu m'as demandé si, ah ben, s'il faut que je reprenne la question quand même. C'est important. Est-ce que Loïc voudra faire du sérieux avec moi? Ce soir, c'est un bon live parce qu'on a beaucoup de bonnes réponses, beaucoup de réponses positives. Et ça continue. Regardez tout le monde. Hop. Regarde. Oh, ça c'est beau. T'as bien choisi. T'avais le haut l'âme sœur ou le bas l'été. L'été c'était chaud patate et t'as choisi l'âme sœur. Ce qui montre Krishna, l'âme sœur, que c'est possible. Vous avez vu les lives de Fred Dulac 113 médium, donc mes lives à moi. Je parle à la troisième personne, on va me dire, mais pourquoi Fred Dulac 113 médium, il parle à la troisième personne? Peu importe, vous inquiétez pas. Mes lives ce soir sont toujours, il y a toujours une Fanny, Isabelle, Laura savent bien, hein, savent bien qu'il y a toujours un fil conducteur comme ça. Et ce soir, il y a beaucoup d'amour qui ressort dans les relations. Il y a beaucoup de retours possibles avec beaucoup d'amour. Et ce soir, ça sera vraiment le fil conducteur, c'est l'amour. Et regarde, regarde Krishna, l'âme sœur. Une relation sérieuse avec une âme sœur, ça peut être que sérieux, l'âme sœur. Pour moi, c'est oui. Je dis pas que ça va être toujours avec des hauts. Mais c'est vraiment possible. La relation sérieuse est là. D'accord? Bonne nuit, Laura. Bonne nuit, Laura. Voilà. Ok. Allez. Hop, on continue. Je suis obligé de continuer. Donc, si tu veux, Krishna, en savoir plus, eh bien, tu me contactes par mail, fredjack113@gmx.fr. Pour ceux qui veulent passer en priorité, don PayPal de Diero ou cadeau perle dans sa coquille. D'accord, voilà. Allez, à qui le tour? Oui, c'est possible, c'est possible. Ah. Hop, allez, on va essayer de voir, inviter quelqu'un. Si quelqu'un a une question en live, pourquoi pas? Ça va changer un peu, ça va prendre 2 minutes. Et. Ah, ben, j'ai plus. Après, c'est souvent risqué. Si c'est risqué, on coupera. Parce que des fois, il y en a, ils sont là pour casser tout ce qui est voyance et autres. Hop, non.
du mal à voir. Ouais, faut mieux. Ok, ben. Hop. Désolé, je rigole tout seul, mais parce que. Hop, allez, je vais essayer. Hop. Il y a qui? Qui c'est qui voudrait passer en live là? Allez, qui veut passer en live? C'est le moment de m'inviter. On va faire une petite pause avant de continuer. Hop. Likez, partagez, tapotez sur vos écrans. 67 000 j'aime. Oh, on n'est pas bien fort hein, ce soir. Tapotez comme ça sur vos écrans. Je vois pas beaucoup de cœur. Hein. Vous me dites oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Fred, mais je vois pas beaucoup de cœur. Hein. Je vois qu'on s'endort plutôt. Écoutez ma voix. Vous endormez. Écoute ma voix. Allez, question, prénom, date de naissance et haut ou bas. T'as plus de doigts, étoile filante. Merci. Donc ton guide, c'est une femme, hein, Joe. Je t'avais déjà dit que c'était une femme. Tiens, je me mets des cœurs. J'ai envie de me mettre des cœurs ce soir. Médium voyant soin se met des cœurs à lui-même. Hop. Voilà, comme ça, je suis content. Voilà, ça fait le feu d'artifice. Impeccable, Fred de like. Sans activer vidéo. Ah, la duchesse, qu'est-ce que tu me dis? Alors, oui, si tu veux, allez, pas besoin, je veux juste, allez, on a besoin juste de t'entendre, si tu veux, on va, ça change un peu. Je t'ai rien dit, Joe, pourtant, ton guide est une femme, hein. Je t'ai jamais dit que c'était peut-être ta maman ou ta grand-mère. Je t'ai pas dit, hein, je t'ai pas dit ça. Hop. Elle répond, ah, elle arrive. Restons sérieux. Quand il y a quelqu'un, il faut toujours être sérieux. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va Fred. bien? Je vais bien. Et vous? Ouais, tu peux me dire toi, parce que vous, ça fait une barrière. Quand on parle, on... D'accord. Donc, je peux te tutoyer? Oui, pas de souci. Quand on parle en D'accord. termes d'âme, c'est toujours bien de se tutoyer. C'est ta fille qu'on entend derrière? Mon fils. Ton fils? Oui. Bon, pour un voyant, c'est loupé. Oui, ça c'est sûr. Bon, on va couper là parce qu'il ne faut pas aller plus loin, sinon je vais me griller. Oui, donc j'ai une question. Oui, dis-moi ton prénom d'abord, ton prénom. Ornella. Ornella. Oui. Attends, Ornella, avant de me dire quelque chose, j'ai besoin de me concentrer un peu. Est-ce que tu crois en Dieu, Ornella? Oui. Tu crois en Dieu? Oui. Une question comme ça en passant. Hein. Tu me réponds si tu veux. Tu crois en Dieu et donc tu fais des prières ou pas du tout? Je fais des prières, oui. Ok, d'accord. Et tu habites où? Après, je te pose plus de questions. J'habite au Gabon. Au Gabon. Ok, d'accord. Vas-y, alors je t'écoute, je te laisse parler. Alors, je voudrais savoir si... dans combien de temps ils vont me contacter pour le boulot? Dans combien de temps ils vont te contacter pour un travail? Oui. Attends, je fais l'air sérieux, c'est plus crédible. Vraiment comique, hein? Tu connais pas? Tu me connais ou pas? Non, je ne te connais pas, je te découvre à peine. Tu me découvres, d'accord. Ok. Bon. Oui, je suis toujours un peu comique parce que si tu veux, après je répondrai à ta question, bien sûr. Si tu veux, j'en ai marre des faux qui sont passés pour des vrais. Et tous ceux qui sont là sur TikTok ou autre et qui disent des choses et toujours dans la toujours dans la droitesse et on rigole pas et la voyance, la médiumnité, c'est sérieux. Mais en fait, la vie, c'est pas ça. Tu vois? Et donc, c'est un peu la vie, c'est comme la médiumnité, c'est comme les anges. D'ailleurs,
On rigole plus là-haut que sur Terre. Hein. La Terre. De toute façon, tu es croyante, donc tu dois le savoir, ça. Est-ce que tu crois en tout ça ou pas? Oui, je crois. Je pense que c'est un don venu du ciel. En fait, je pense que c'est Dieu. Même si c'est vrai qu'après, il y a certaines religions qui diabolisent cette pratique. Exact. Quelle religion? Catholique ou pas du tout? Tu réponds si tu veux. Je suis protestante. D'accord. Ok. Ok. Bon, bah, moi, ça me dérange un peu. Non, non, je Pourquoi? rigole. On est là. Du coup, alors, explique-moi un peu. Tiens, regarde. Explique-moi un peu. Tu vas me dire. Donc, tu attends une réponse. Allez, je reprends du sérieux parce qu'après, Ornella, elle va se dire, mais sur qui je suis tombé? Puis, j'ai mon image de marque. Non, Et mais tu sais que j'habite en après, France. Oui, je t'écoute. je comprends que c'est ta personnalité, hein, de détendre l'atmosphère. Oui. Oui, les personnes Et tu... comme toi qui détendent l'atmosphère sont passe-partout. En fait, s'adaptent vite à tous les milieux, tout type de milieu. Mais on est obligé, tu sais. Je pense que la vie, que ce soit en Afrique ou ici, c'est... Bon, l'Afrique, c'est peut-être moins tendu qu'ici, hein. Ici, on est vraiment tendu en France. Je sais pas si tu connais un peu. Oui. Mais l'ambiance est tellement tendue qu'en fait, on croit plus en rien, à part en l'argent peut-être, si. Mais c'est pour ça que j'essaie de vraiment montrer une autre image. Et les anges et les guides, surtout là-haut, tu sais, ils aiment beaucoup rigoler. D'accord. Voilà, que ce soit ton guide, à toi, ton ange gardien, ou même ceux de tout le monde. La vie là-haut, en fait, la vie n'est pas sur Terre. La vie, elle est plus là-haut que sur Terre. Ici, c'est plus un passage obligé pour faire évoluer nos âmes, et on rigole pas trop en fait. Et le problème, il est bien là, c'est que plus on avance dans le temps, et moins on avance. Et même moi, médium, tu vois, je me pose des questions, je me dis que jusqu'où on va aller en fait. C'est est-ce que la venue sur Terre. Alors peut-être, tiens, je vais te poser une question, peut-être tu vas, toi qui es protestante, peut-être que tu vas me trouver une réponse à ça. Ça sert à quoi de venir sur Terre quand on n'avance plus et quand il y a de moins en moins d'âmes évoluées? Tu as une réponse à ça ou pas? Je D'après pense que toi. ça. Bon, d'après moi, je pense que c'est lorsque on ne connaît pas pourquoi on est. Quel est son but, sa venue, quelle est sa destinée. C'est à ce moment-là qu'on se mêle les pinceaux et qu'on fait un peu n'importe quoi. Et lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, on a besoin des personnes comme vous pour nous orienter sur le droit chemin afin de retrouver notre destinée et de la vivre. Exact. Moi, je pense que tu as raison. Je pense que tu es bien guidé. Tu as une bonne façon de penser. Je rajouterais juste peut-être quelque chose d'important. C'est que, comme toi, beaucoup savent maintenant que les médiums et voyants, ça a toujours existé, mais encore plus à l'heure actuelle, on est vraiment important pour la société d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux partout pour un peu décrédibiliser la voyance et la médiumnité. Et à chaque fois, je le dis et je le redirai encore ce soir, faites attention à qui vous allez voir, qui vous allez voir, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faux et qui sont là pour décrédibiliser tout le monde, d'accord? Oui. Et pourtant, le médium, la voyance, mais même nous, au fond de nous, on est tous un peu, alors à prendre avec des pincettes, mais on est tous un peu nous-mêmes voyants et médiums, on a tous un peu des ressentis, des messages de là-haut, et on se sent un peu guidé. Donc il faut suivre déjà ça en premier. Ensuite, il y a moi et d'autres, parce qu'il y en a d'autres aussi. On est là aussi pour vous guider, pour voilà, accentuer ça, votre chemin sur Terre et ce que vous ressentez au fond de vous-même. D'accord? C'est très important de savoir ça. Ouais. Parce que tu sais, tu viens me voir moi, tu peux aller voir, alors je parle souvent Gugus à côté, j'espère que personne s'appelle Gugus, je ne juge personne. À partir du moment où on est vrai médium et qu'on est amour, on ne juge personne, premièrement. Deuxièmement, je parle de Gugus à côté parce il aurait pu répondre à ta question, oui, tu vas trouver un travail, non, tu vas pas trouver de travail. C'est si simple en fait de faire ça et demander de l'argent après aux âmes. Alors, ça marche pas à 100%, mais 2 fois sur 100, ça va marcher. Et puis 2 fois sur 100, ils vont prendre du pognon à tout le monde. Et tout ça décrédibilise tout ça. D'accord? Juste pour D'accord. finir là-dessus, je me sers, enfin, je me sers, je commente ce que tu dis. C'est très important. Je pense que le rôle des médiums et des voyants, des vrais médiums et des vrais voyants, c'est très, très important à l'heure d'aujourd'hui parce que la société dérive beaucoup. Que vous soyez en France, au Gabon, en Afrique ou partout dans le monde,
Ça a toujours existé, les voyants et les médiums, surtout en Afrique, surtout, voilà, parce que vous êtes plus évolués que nous, hein, à ce niveau-là. C'est très important. Il faut maintenir cette vérité-là parce que ça a toujours existé. Il faut pas que les faux prennent le dessus. D'accord. Ouf, heureusement que tu m'as dit non, non, en fait, c'est pas ça. Bon, non, mais c'est vraiment pour faire un point parce que si tu veux, je suis un peu pas énervé, mais j'aime pas ce qui se passe en ce moment. J'aime pas parce que moi, je reçois beaucoup d'attaques. On est plusieurs, les faux prennent le dessus, l'argent est là, donc enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, les bons comme nous, on est tenté à plus être sur les réseaux, à plus se montrer. On va faire un métier comme tout le monde. On peut aussi faire un métier comme tout le monde. Mais on a été un peu choisi de là-haut. On a un peu un don particulier. C'est dommage, je trouve. Et c'est pour ça qu'il faut croire quand même. Il faut vraiment croire. C'est le message que je voulais faire passer en même temps que, voilà, que toi. D'accord. Et bon, je pense que c'est lorsqu'on n'est pas assez cultivé qu'on diabolise la chose. Il faut d'abord essayer de comprendre. Il faut se cultiver avant de donner son opinion. C'est parce que les gens ne sont pas assez cultivés sur la voyance, sur la spiritualité. C'est pourquoi ils diabolisent la chose. Exactement. Exactement. Tu sais que j'ai souvent des personnes d'Afrique, hein, qui viennent parce que vous, les Africains, bah, désolé je veux pas faire une catégorie comme ça, mais je sais parce que je le sais que vous êtes plus évolués que nous à ce niveau-là. Oui. Par exemple, je sais pas chez toi, j'ai jamais voyagé, hein, enfin, au Gabon et tout ça, mais quand quelqu'un décède, c'est plus la fête que comme ici en France où tout le monde pleure et tout le monde est recentré sur lui-même, vous, c'est plus la fête. Alors, dis-nous si c'est comme ça, c'est peut-être intéressant à savoir. Oui, dans certaines ethnies de mon pays, oui, c'est comme ça. D'ailleurs, la preuve, enfin, pas la preuve, mais l'ethnie à laquelle j'appartiens, effectivement, on célèbre la mort. Eh oui, on célèbre la mort terrestre, parce qu'après, la vie, elle est là-haut, hein, elle n'est pas ici. Hein. C'est ce que je dis toujours Exact. aussi. Voilà. Bon. Exact. Ok, Parce merci pour que la ton. mort, c'est une libération. Donc, c'est une Ah célébration. C'est oui. pourquoi on la célèbre. Oui. Ah oui, la mort terrestre, c'est une libération de l'âme, c'est clair. Je suis d'accord avec ça, c'est sûr. Voilà. Bon, merci. Au revoir. Non, allez. Ornella, vas-y, alors, dis-moi. Alors, du coup, je vais me reconnecter. Tu veux changer de travail? Tu as un travail? C'est quoi ta question? En fait, je veux savoir dans combien de temps la société que j'espère qu'elle va m'appeler. En fait, dans combien de temps mes employeurs vont m'appeler? Ok. Tu as déjà travaillé pour eux et tu veux retravailler pour eux ou pas du tout? Oui, j'ai déjà travaillé pour eux. Tu vois sous mon sourire. Allez, désolé. Je dois dire, Arnella, pourquoi il rigole? Parce que je ressens tout de suite que tu as déjà travaillé pour eux et que c'est pas la dernière fois. Voilà. D'accord. Donc quand même, regardez bien. Attention, tu sais, comme dans la vie, on a toujours des choix à faire. Et là, c'est pareil, ce soir, c'est la vie. Et tu vois, regarde. Hop. Je partage le jeu en deux et tu vas me dire, alors réfléchis bien, laisse-toi Attends, guider, hein, je vais par ton d'abord. guide. Ok. Ok. Je me laisse guider par mon guide. Normalement, ce qui vient de haut, c'est forcément quelque chose de positif, hein, mais. Bon, après, ça peut aussi être en bas. Donc, Avant de je parler, réfléchis. on est là. Écoute-moi bien, réfléchis bien. Laisse pas ton esprit prendre le dessus. Il faut que tu te laisses guider. Ça veut dire qu'on bloque ses pensées et tu vas recevoir un message de là-haut. Dis-toi pas que ce qui vient de haut est forcément bon, ce qui est en bas est pas bon. Ça, tu penses, si tu veux, tu penses avec ton cerveau, mais c'est pas guidé ça. Laisse-toi guider, enlève tes pensées et laisse-toi guider. D'accord. Attention parce que le choix est important. C'est comme tu veux, c'est toi qui dis quelle carte. En bas. En bas. T'es sûr de ça? Je me sens guidée par le bas, je ne sais pas pourquoi. Tu te sens guidé vers le bas. Ok. Donc,
Comment je vais faire? Parce que j'ai que deux mains. Regarde, je pose le jeu là, je le pose là, hein, sur mes genoux, parce que voilà, j'ai pas de table, hein. Tu sais, ici en France, ça devient dur d'avoir une table. Ah, Ah bon, désolé. pourquoi? Bon, la carte, c'est celle-là, la première carte. Je prends toujours la première carte, tu vois. Et donc ça, c'est la carte du haut, c'est celle que t'as pas choisie, d'accord? D'accord. Et tu avais choisi quand même, au départ, tu avais choisi le haut. Si tu n'avais pas écouté ton guide, j'appelle ça souvent ton ange gardien, ton guide, tu aurais pris le haut parce que le haut, c'est souvent élevé, le bas, c'est la bassesse. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Et tu sais pourquoi? Parce que Pourquoi? tu as eu raison. Regarde. Tu vois la carte? Qu'est-ce que ça C'est le signifie? chagrin. Et ce n'est pas parce qu'on est la carte est en haut que c'est forcément positif. Il faut toujours se laisser guider par son guide. Le chagrin. Heureusement que tu n'as pas pris le haut, sinon c'était râpé pour toi. C'est pas que c'était râpé, mais tu aurais eu peut-être plus de mal à retourner là-bas, tu aurais dû faire plus d'efforts D'accord. et tu ne serais pas bien, tu vois? Oui. D'accord? Ça, c'était le haut. Et maintenant, le bas, il est là, hein, toujours là, j'ai rien changé, hein. Le bas, il est là, mais est-ce que c'est mieux le bas, tu crois? Tu restes sur ce que tu as dit ou pas? Oui, je Ben suis oui, on reste guidée par le toujours. bas. Je sais pas pourquoi. Eh oui, regarde, la dernière carte, c'est celle-là. Hop. Il faut toujours, ça c'est un message pour toi, mais pour tout le monde, il faut toujours, c'est très important. La vie, c'est comme là, c'est comme ici. C'est bête. Je le dis souvent, la vie est un jeu. Et il faut vraiment être, rester sur ses impressions. Pas trop analyser les choses. Il faut rester sur ses guides, sur ce qu'on ressent, ses ressentis. Tu as choisi en bas. Et tu sais quoi? On est là. Je t'ai dit, avant de tirer la carte, je t'ai dit que ben, tu travaillais avant chez eux et que tu vas retravailler chez eux, c'est sûr. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la lumière. Et la lumière, ça montre que c'est sûr pour moi. Pour moi, hein, c'est sûr que tu vas retravailler chez eux. Rapidement. D'accord. Alors rapidement, c'est dur de dire. J'imagine que tu veux savoir une date. Oui. Il faut faire attention quand même. Alors attends, parce qu'on me dit quelque chose en même temps. Il y a beaucoup de fumée d'un coup qui se met, alors que c'était pas comme ça au départ. Et la fumée montre que il y a une ambiance un peu pesante. Alors pour moi, je te dis ce que je ressens vraiment. Tu vas bien retourner là où tu as travaillé, mais pas dans On dirait pas au même endroit, pas dans le même service. Pour moi, c'est Oui. certain. Oui. C'est oui. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Tu retourneras pas au même service. Tu sais pourquoi? Parce que la fumée, il y a eu un. Bon, après, c'est chez moi, voilà, il y a eu des manifestations. Mais il y a quelque chose qui s'est pas bien passé dans le passé. Et tu ne Oui. pourras pas retourner là où tu étais. C'est ça? Exactement. Exactement. Bon, merci. Ah Voilà. Mais tu verras. Vraiment, tu vas. Il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut toujours avoir du cœur et vouloir vraiment avancer. C'est important. Rester, ne pas douter, toujours penser positif. Tu sais, tu me suis pas trop. Je t'invite à me suivre si tu veux, hein. Je dis souvent PPA, pensée positive, attitude. Toujours garder des pensées positives et l'attitude qui va avec. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Et c'est ce que D'accord. tu fais. C'est ce que tu fais. Et tu auras la lumière bientôt. C'est clair. D'accord. Bon, je voudrais savoir à peu près dans combien de temps. Mais oh. Ça me Oh. prend. Je sais pas si je peux là. Dans combien de temps? Oui. Allez. Parce que Faites comme vraiment vous t'es voulez. sympathique, hein. Vraiment, vraiment Toi t'es également. sympathique. Toi également, tu es très sympathique. Allez, regarde. Regarde, on va faire autre chose. Parce que moi j'aime bien jouer. Jouer, c'est la vie est un jeu, hein. C'est comme les cartes, là, c'est pareil. Regarde, je suis voyant et médium depuis longtemps, hein, depuis des années et des années, hein, depuis des lustres, comme il y en a, ils disent. Ah, Fanny, elle devrait dire, oh, mais oui, ça fait 40 ans que je le connais. Regarde, allez, tu vois, je fais ça, je mélange bien, hein, t'as vu? Oui.
Allez, maintenant, je te pose une question simple. Comme dans la vie, des fois, on se pose des questions, on y va, on n'y va pas. Est-ce que tu veux prendre cette carte ou pas? La carte, la dernière carte qui est là, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu veux la prendre ou pas pour en ce qui concerne le temps? Voilà. Peut-être que tu as une indication, ou peut-être que ça va pas être bien, ou peut-être que ça va être bien. En tout cas, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu veux prendre cette carte-là pour avoir une indication du temps? Tu peux me dire non, tu peux me dire oui, c'est par rapport à tes ressentis. Ah, mes ressentis, mon ressenti me dit non. Je sais pas Tu veux pourquoi. pas la prendre. Tu veux pas la Non. prendre. Ok, d'accord. T'es sûr? Je sais pas, je suis mon instinct. Mon instinct me dit non. Exactement. D'accord, tu as raison. Donc, je prends la dernière carte. C'est la dernière carte. Et donc, avant qu'on regarde la carte, même moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein, et du coup, ta question, c'était, est-ce que c'est dans longtemps, en fait, que tu vas retourner dans, voilà, dans ce Ou que bien tu c'est veux proche, travailler? ou c'est proche, oui. Voilà. Est-ce que c'est proche? Tu veux travailler dans quoi, en fait? C'est quoi? Je ne sais pas si je dois dire, hein. Ça peut Non. être privé, non? Comment? Oui, si c'est privé, dis-le pas. D'accord. Exact. Tu as raison, des fois, je m'emballe. En tout cas, souvent, je dis que ça prend un peu de temps, et pourtant, là, pour toi, je ressens le. Qu'est-ce qu'on me dit là-haut? C'est comme si on attend. Alors, je te dis, hein, ce qu'on me dit vraiment, c'est comme si on a, comme s'il y avait un départ. Quelqu'un devait partir pour que tu sois, de retour. Quelqu'un doit partir pour que tu sois de retour. Et D'accord. c'est très proche. Pour moi, c'est vraiment très, très proche. Très, très proche, très, très proche. Oh, ça, je sais pas, ça me parle pas. Ça ne te parle pas? Bref, Non. tu me diras peut-être plus tard. Je t'invite à me contacter par mail. freddulac113@gmx.fr. Tu me diras plus tard ce qu'il en est, comment ça se passe si tu veux. Hein. T'as pas pris cette carte et pourtant moi je vois vraiment un très très proche. Ça veut dire dans quelques semaines tu devrais avoir des nouvelles déjà et être proche à réintégrer. Pardon, ce que tu veux faire. Ah, je comprends maintenant, je comprends. D'accord, c'est dans le milieu professionnel. D'accord. Que quelqu'un doit partir pour que je réintègre. D'accord. Je pense, c'est ce qu'on me dit, c'est même pas moi je pense, c'est ce qu'on me dit de là-haut. Quelqu'un va partir pour que tu prennes sa place. Wow. Alors peut-être que ça ne te dit pas grand-chose, mais tu me rediras plus tard sûrement. Et du coup, c'est très rapide, dans quelques semaines, je dirais. Je ne peux pas dire exactement la date parce qu'après, on va me dire, faut être fou, et pourtant, je vais essayer quand même. on est le 23 février. Je dirais, dans moins d'un mois, tu vas réintégrer. Facilement, dans D'accord. moins d'un mois. D'accord? D'accord. Ok, on est là. On va regarder quand même la carte que tu n'as pas prise. C'était quoi la carte? Toujours important les choix qu'on fait dans la vie. Et elle n'a pas prise la carte qui était le désert qui montre que ce n'est pas une bonne carte pour l'oracle bleu. Je ne sais pas si tu connais l'oracle bleu. En tout cas, le désert montre que eh ben, qu'on n'est pas bien, que ça ne va pas bien se passer, que ça va prendre du temps. Et tu n'as pas pris cette carte. Wow. Donc, en fait, mon instinct me guide très bien alors. Exactement. Et du coup, on va finir là-dessus parce que je ne peux pas passer toute la soirée avec toi, même si je t'aime bien. Eh Dommage. bien, qu'il faut suivre son guide. On est tous et toutes Exact. guidés par son guide ou son ange gardien. Il faut enlever ses pensées analytiques de dire, ah, le haut, tu as vu comme au départ, tu disais, ah, le haut, c'est élevé, je vais prendre la carte du haut. Non, c'est pas ça, ça c'est analytique. On enlève ses pensées, on réfléchit plus et on choisit ce qu'on veut. D'accord? Et c'est ce que tu fais très bien. Mon conseil que j'ai à te dire, c'est suis ton instinct. Il est très bon. La preuve, t'as D'accord. vu? Très, très bon instinct. Donc, suis ton instinct. D'accord, Anela? Okay. Merci Fred pour ton conseil. Je sais pas où on peut trouver ton mail sur ton profil. Ben, tu sais, les modos, elles vont te le mettre. C'est Fred Dulac. C'est Fred Dulac, tout attaché. Mais t'inquiète pas, Fanny ou Isa. Elles vont te le mettre. freddulac73@gmx.fr. Elles vont te le mettre et puis tu me contactes. D'accord? D'accord, merci Allez, Fred, bonne je vais soirée. Et voir. c'est quelle heure au Gabon là? Il Quelle est heure il est? 23h28. Ah ben comme nous. Ah mais c'est peut-être pas la Apparemment. même chaleur que chez nous, hein. Il fait quelle chaleur chez vous? Ah, certainement, peut-être.
Ok, bonne soirée, bien de choses. Ah bon, bah, tu veux pas me répondre, tu veux pas dire qu'il fait chaud chez vous, puis nous on se caille, hein. Non, mais où je suis actuellement, il fait pas chaud, il fait pas chaud. Ah, il fait pas chaud. C'est vrai? Ah, Non. d'accord. Ok, Il bon. fait pas chaud tout le temps, hein. Ah, d'accord, mais je connais pas en fait. Je connais pas trop. Moi, je connais à part le, tu D'accord. sais, où Tu devrais j'habite. venir visiter, hein. Ah, ben, merci. On m'invite souvent partout, mais peut-être qu'un jour je ferai le tour du monde. J'aimerais bien. Hein. J'ai jamais voyagé et pourtant j'adore ça. Bah, tu devrais. Merci, Ornella. Merci pour Ok, tout et bonne soirée. contacte-moi par mail. Tu vois, regarde. Fanny, elle l'a mis, freddulac113@gmx.fr. Merci, Ornella. D'accord. Ok, merci. T'embrasse amicalement. Bye. Un petit bisou à ton fils et à toute ta famille. Important, la Merci. famille. Ciao, Merci. ciao. Bisous, bisous. Ciao. Bonne. Voilà, on a passé un bon moment avec Ornella. Hein. Vous avez vu, elle est très très bien guidée, Ornella. Elle choisit les bonnes cartes, elle est bien guidée. Faut pas se laisser par le analyser la situation et toujours choisir, vraiment choisir. On est guidé. Enlever ses pensées et vraiment être guidé, c'est important. Ornella sait très bien le faire. Elle sera toujours bien guidée. Voilà. Ah, merci Zaya, merci, merci pour ton commentaire. Voilà. Hop. Allez, on continue un peu avant de finir. On va durer encore un petit peu. Allez, Laetitia me pose sa question. Allez, je vais aller un peu plus vite. Si vous voulez avoir plus de précisions, vous me recontactez par mail. Laetitia, je vais répondre rapidement. Je vais évoluer et changer de poste. Est-ce que ça va bien se passer pour Laetitia, 31 mars 1980. Alors, tu m'as pas dit haut ou bas. Ah, si, tu m'as dit haut. Regarde. Laetitia, dis-moi, tu maintiens le haut ou pas? Allez, on fait vite fait à tout le monde. Je suis là pour répondre à tous. Je vous répondrai plus précisément par mail. freddulac113@gmx.fr. Laetitia, haut ou bas? Tu maintiens le haut? Oui, t'as dit oui? Ok. Elle a dit oui, je vais te faire le bas. Allez, on change pas. Donc, je sais plus quelle est ta question. Le bas, c'était la sérénité. Donc, c'était bon, la sérénité. Je sais plus quelle est. Tu peux m'en mettre ta question, s'il te plaît. La sérénité, c'est pas ce que tu as choisi. Donc, c'est pas ça. Et peut-être qu'en haut, c'est mieux. Hein? Ou peut-être que c'est pareil. Ou peut-être que c'est écrit. Voilà, c'est écrit. C'est écrit depuis longtemps. Et donc, je vais évoluer et changer de poste. Est-ce que ça va bien se passer? Tu vas évoluer, tu vas changer de poste et ça va bien se passer. C'est écrit. La réponse est oui. Contacte-moi par mail et je t'en dirai plus. D'accord? Voilà. Hop, on stoppe là. On stoppe là parce que je sens. Ah, je suis obligé. Allez. Je suis obligé d'enlever les cartes, désolé. Ça se passe comme ça aussi. Hein. J'ai Fred du Lac. J'ai Fred du Lac. Fred of Lake. Fred of Lake. Bon, Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Vais-je me séparer de Quentin? Il y a quelque chose qui me dérange. Comme s'il y avait une odeur qui est là et qui me dérange. Alors, désolé de te dire. C'est pas toi. Hein. C'est pas toi, Stéphanie. Hop, c'est vraiment pas toi. Désolé. Mais je dis ce que je ressens et il y a quelque chose qui me dérange, comme si je pouvais plus rester, comme si je peux plus rester à cet endroit-là. Pardon, j'ai la voix qui part en vrille en plus, c'est pas normal ça. Donc, y a de la tension. Désolé, je vois Zélia qui me met. Tu m'avais dit qu'ils allaient changer ma baignoire et nous on fait la semaine dernière. Je te remercie. C'était bien pour le mois de février, j'en suis ravi. Oh, bah, tu pourras prendre une un bon bain baignoire. Eh oui, Fred du accent 13 médium vous dit aussi si vous allez changer de baignoire, quelle date. Si vous aussi vous voulez. Vous voulez savoir changer Non, désolé. Oui, merci Zélia, merci.
Merci. Mais oui, tout peut paraître anodin, mais tout est écrit d'avance, d'accord? Vraiment. Tu me raconteras ça en privé, s'il y a. Sinon, on va pas s'en sortir. Du coup, elle est où, Steph? Elle est là, Stéphanie? Du coup, tu m'as coupé avec Stéphanie, là, alors j'étais bien concentré. Hop, Stéphanie, est-ce que je vais me séparer de Quentin? Il y a quelque chose qui est insupportable. Stéphanie, est-ce qu'elle est là, Stéphanie? Il y a quelque chose que je ressens d'insupportable. Alors pour moi, c'est l'odeur que je. Alors ça ne veut pas dire que c'est l'odeur, mais je veux dire qu'il y a une situation qui est insupportable. Il y a quelque chose qui est insupportable. Est-ce que c'est. Tu peux dis-moi en plus si tu veux. Il y a quelque chose qui n'est pas supportable dans cette relation. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui est autour de lui? Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est autour de toi? Tu vois? Donc. Raconte-moi, raconte-nous un peu, Steph, ce que tu. Et je vois pas de cœur. Hein. Alors là, tout le monde s'est endormi. Hein. Là, je vois Marie, Eliane. Plus personne tapote comme ça pour mettre des cœurs. Tout le monde s'est endormi. Hein. Là, écoutez ma voix. Vous allez dormir. Vous dormez tous. Je ne suis pas bien du tout. Je ne supporte plus ma vie et sa passion débordante. Oui, ok. Ah non, 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 Jo, je t'ai vu là, tu mens. J'ai vu, il n'y avait aucun cœur qui sortait, donc tout le monde s'est endormi. Là, vous recommencez, mais si j'avais pas dit ça, il n'y avait plus de cœur, zéro cœur. D'ailleurs, on n'est même pas à 100 000 gemmes. Là, c'est pas bien là. D'ailleurs, Marie, Eliane, Isabelle. J'en oublie, désolé. Ah, si t'es là, Marie, tu continues. Ah, là, il y a déjà plus de cœur. Quand j'interpelle les gens, déjà, il y a plus de cœur. Non, je rigole. Faites comme vous pouvez, je comprends bien. Bon, allez, on va accélérer un peu pour répondre à tout le monde. Je ne veux pas lui faire de mal et je n'arrive pas à partir. Ok. Ouais, je comprends bien. C'est une situation qui ne peut plus durer. D'ailleurs, c'est vraiment insupportable. Insupportable, c'est ce que je ressens. Et du coup, c'est toi qui ne peux plus le supporter. Donc, tu sais quoi? Tu te lèves, tu lui mets un coup de boule. Non, je rigole. Désolé. Ça, c'est ma dérive. Je sais qu'un jour, je m'arrangerai peut-être. Je serai comme les autres et j'irai des choses. Voilà. il faut absolument que tu arrives à passer le cap parce que ça peut pas continuer. Vraiment, Steph. D'accord? Je t'invite à me contacter par mail. Tu me donnes ta photo, sa photo, ta date de naissance et la sienne. Je t'en dirai plus. Tiens, juste pour là, le conquérant qui sort, ça montre que il lâchera pas l'affaire. Il te colle aux baskets. Même si tu enlèves tes baskets, eh ben, il va te suivre quand même. C'est pour ça que cette situation est insupportable. Voilà, tiens, juste un petit signe, j'ai bien mélangé, dis-moi juste haut ou bas. Alors réfléchis pas, tu te laisses guider par ton guide. Haut ou bas. Allez, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Je monte plus les mains parce que j'en peux plus, c'est lourd les cartes. Ça c'est le haut, ça c'est le bas. Allez, Steph, réfléchis bien. Quelle carte tu veux? Tu veux le haut. D'accord, le bas c'était quoi? Je maintiens ce que vous me dites maintenant. Le conquérant, tiens, le conquérant, il est encore là. C'est bizarre, j'ai bien mélangé, pourtant vous avez vu. Et le conquérant, il est encore là. C'est pas celui que tu as choisi. Donc, c'est possible. Donc, à un moment donné, ça veut dire que c'est possible, qu'il peut lâcher l'affaire. Il faut jamais se laisser embarquer là où on ne veut pas aller. D'accord? Et si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est que les voyages, ici, voilà, ça, hop, ça, c'est les voyages. Je parle doucement parce qu'il y a du monde qui dort. Voilà. Les voyages, ça veut dire, Steph, que tu vas partir, tu resteras pas. Garde le plus de positif possible, reste le plus PPA possible, mais tu vas partir, vraiment. Il va falloir que tu partes. Tu peux pas rester pour faire plaisir à tout le monde, pour lui faire plaisir, parce que toi, tu vas pas être bien à un moment donné. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu passes le pas, et c'est ce que tu vas faire. La carte derrière, c'est quoi? Tu vas être guidé, d'accord? Voilà. Ok.
Donc pour répondre à ta question, c'est oui, tu vas partir. Et contacte-moi par mail, je peux t'aider. Vraiment. D'accord? Voilà. Tous ceux que j'ai pas répondu, contactez-moi par mail, je peux vous aider. Je suis magnétiseur, guérisseur, entre guillemets, en parallèle de la médecine. Et je débloque les situations avec des rituels. Voilà, d'accord? Voilà, merci Isabelle, merci, 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 merci Fanny, merci Isabelle. Allez, je peux pas me sacrifier pour tout le monde. Eh oui, si tu te sacrifies, tu vas te sacrifier, après tu pourras plus rien faire. C'est ce que tu veux. Et c'est... Et oh, j'arrive pas à le dire. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu vas partir avec les voyages, c'est certain pour moi. Tu me rediras. Mais je te vois partir, d'accord? Allez, on a bientôt fini. Est-ce qu'il y a... Ah non, non, il faut attendre les... Et vous avez vu, il n'y a plus de cœur, hein? Il n'y a plus beaucoup de cœur, hein? C'est qui? Sandra a envoyé des j'aime à l'autre. Sinon, plus personne met des cœurs. C'est pas bien, je reviens en live pour vous, puis vous ne me mettez même pas de cœur. Waouh, c'est pas bien. Pas bien. Je rigole. Oui, tu veux passer, Sandra. Ok, vas-y, Sandra. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que t'as, Sandra? Mais c'est pas la même Sandra. J'ai deux Sandra. Tiens, il y a deux. Regardez. Allez, on va faire un petit tour de passe-passe. Il y a Sandra 87 et il y a Sandra. Sandra, est-ce que je vais finir par être heureuse? Ça, c'est Sandra 87. Et Sandra normale, c'est quoi? Dis-moi, Sandra, ta question. Vais-je revivre avec Daniel? Vais-je revivre avec Daniel et vais-je être un jour heureuse de Sandra 87? Eh oui, la réponse pour vous deux. Et vous savez quoi? Regardez, je mélange. Et tiens, pour rire, vous savez, les deux Sandra, vous regardez pas regardez pas le chat. Vous allez choisir, et moi je parie que vous allez choisir la même carte, haut ou bas. Allez, dites-moi, haut ou bas, chacune des deux Sandra là, haut ou bas. Je suis sûr que j'allais choisir la même carte parce que vous êtes pareil. Vous êtes les mêmes Sandra. Ça se trouve, vous êtes sœurs jumelles. Sandra, elle m'a dit bas. Et l'autre Sandra, j'espère qu'elle n'a pas écouté. Ah, oh, j'y crois pas. J'y crois pas, Sandra 87. J'y crois pas. T'as mis haut? Non. C'est pas possible. Vous êtes sur le même chemin de vie. Comment ça se fait que vous n'avez pas choisi pareil? Vous n'avez pas choisi pareil, Sandra et Sandra 87. Donc, votre chemin de vie, tout ça, est-ce que vous allez être enfin heureuse? Donc, pour celle qui a choisi le haut, Fanny, tu me connais, en fait, que tu choisisses haut ou que tu choisisses bas, c'est pareil. Vous savez pourquoi? Oh! Donc, celle qui a choisi en haut, c'est l'âme sœur. L'amour. Ah, ça c'est beau, hein? Regarde. L'amour. Eh oui, parce qu'en fait, dans la vie, quelquefois, on ne choisit pas. Dans la vie, vous avez vu, je ne regarde pas les cartes, je ne sais même pas ce que c'est, hein? Dans la vie, vous avez l'impression de choisir, mais on ne choisit pas. Le chemin est écrit. Donc, même si on doute, à un moment donné, les portes vont s'ouvrir. Regardez bien ça, d'accord? Sandra 87 et Sandra, voilà. Est-ce que tu vas vivre de nouveau avec lui, donc Sandra? Tu avais choisi en haut ou en bas, en fait, Sandra? Sandra, pas Sandra 87 qui se pose des questions sur sa vie. Sandra 87, elle va faire une rencontre, c'est ça? Et toi, donc, ta carte, c'est celle-ci qui arrive. Tu avais choisi le bas, en fait. Peu importe le bas ou le haut, parce que les changements arrivent. Et avec l'amour qu'elle a. Et ces deux cartes, hop, vous voyez mon œil. Avez déjà vu un médium qui fait comme ça avec les cartes? Un voyant, médium. Enfin, quelqu'un qui arrive sur le live, il doit dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec les cartes? Tu me vois? Tu me vois plus? Tu me vois? Tu me vois plus? Allez, l'amour. Donc, pour les deux, hein. Il y en a une qui va trouver l'amour et l'autre va revenir. C'est sûr. C'est le truc. Exactement. Voilà. D'accord? Vous avez. Contactez-vous les deux. Sandra 87 et Sandra, vous verrez, vous avez des chemins de vie similaires. Comme un chemin de.
comme un train, comme les rails d'un train. Si vous avez le même chemin de vie, allez-y, Sandra 87 et Sandra. Tiens, je vais vous demander en ami. Hop, je suis Sandra et je suis Sandra 87. Pas moi, mais je vous suis. Hop, voilà, et Sandra 87, je te suis. Voilà. Vous pouvez vous contacter les deux, vous verrez que vous avez un chemin de vie. Vous pourrez peut-être vous aider. Moi, je suis là pour vous aider, mais vous êtes là aussi pour vous entraider. C'est positif, oui, Sandra, les deux. Les deux, Sandra. Voilà, on est pas mal, hein. Vous pensez? On est pas mal ce soir. 89 000 j'aime, allez, à 100 000, on arrête. D'accord? À 100 000, on arrête, on range tout, on remballe tout, puis vogue la galère. Ça vous dit un peu de musique? Je me fais une petite pause et je reviens après. Allez, on va pas arrêter tout de suite. On va pas arrêter tout de suite. Encore un petit moment jusqu'à minuit. Parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. Jusqu'à minuit. Et tu me fais trop rire. La façon de penser est importante. Tu sais, Isabelle, tu me fais trop rire. Tu sais, la façon de penser est importante. Si je te montre mon doigt, si je te montre le doigt là, tu vas me dire quoi? Qu'est-ce que tu vois? Eh ben, toi, tu vas me dire, tu vois un doigt. C'est ça, la façon de penser, la façon de faire les choses, c'est que chacun pense ce qu'il veut comme il a envie de le penser. Donc, si je te montre mon doigt comme ça, tu vas me dire, vous allez me dire, moi, je vois un doigt. Et moi, si je regarde mon doigt comme ça, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois un ange devant un doigt. C'est moi. Petite pensée différente. Vous avez vu? Ça se passe comme ça dans la vie. Ok. Allez, je vous mets un peu de musique. Je fais une toute petite pause et je reviens après. Vous voyez un doigt? Un ange derrière le doigt ou un ange derrière, devant ou derrière le doigt? Réfléchissez à ça. C'est toute une question de vision. Et la vie, c'est souvent ça, une question de vision. À tout de suite. On arrive pour la fin. Il reste encore un quart d'heure. Je réponds à ceux que j'ai pas répondu. Bien évidemment. Voilà. À tout de suite. À tout de suite, mes amis. Oh, on est chaud patate. On est à la patate quand même ce soir, hein. Un ange derrière le doigt. Merci, Zélia. Moi, j'ai vu un ange. Je vois que des anges partout. Je vois plus de doigts. Je vois que des anges. Et que des guides. Et que des belles âmes ce soir. Merci. À tout de suite. Petite pause. Et je reviens. Petite pause et je reviens, je réponds à vos questions pour finir à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez, on y va pour la finale. On y va pour la finale. Hop, je vous donne à tous rendez-vous samedi soir sur YouYou, sur l'autre réseau social. Peut-être pour un live des stars du ciel. Ça fait un moment que je n'ai pas fait, je voulais finir par ça. D'accord? Allez, c'est le moment. Pour tous ceux qui veulent une réponse, c'est le moment. Et puis après, on arrête. D'accord? Je vais répondre rapidement à tout le monde. Hop, à ceux qui n'ont pas eu de réponse. Alicia. Oui. Ah non, Alzira, pardon. Est-ce que j'ai un guide? Tout le monde a un guide, Alzira. Hop, fais voir. Alzira, tout le monde a un guide. Parfois, on est souvent... souvent, non, c'est pas ce que je veux dire. On est bloqué par quelqu'un de la famille qui était malveillant sur Terre et puis du coup, il nous bloque un peu il nous bloque un peu la connexion avec là-haut, avec notre guide. C'est un peu ton cas. La famille, quelqu'un de proche de toi n'a pas été que bénéfique. Il y a eu beaucoup de négatifs sur Terre et du coup, il bloque un peu cette connexion avec ton guide. Je t'invite à me contacter par mail. Je t'en dirai plus et puis je peux vraiment t'aider. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, restez toujours positif. Argile, Egan,
Marie-Ange. Oh, bah tiens, on parlait des anges. Il suffit que Marie-Ange arrive avec un ange. On parle de Marie-Ange. Hop. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Marie-Ange? Maxime. Ok. Reviendra-t-il un jour? Je sais pas si je dois garder espoir. Ok. Marie-Ange et Maxime. Allez, Marie-Ange, dis-moi. Je pense que c'est ta maman, Joe, qui est ton guide. Il me semble que je te l'avais déjà dit. J'ai un petit doute, parce que les deux se ressemblent beaucoup. Et je pense que ta maman est vraiment, vraiment, vraiment très proche de toi. Même si elle n'est plus là, elle est quand même très, très proche de toi. De toute façon, elle est souvent, elle est même tout le temps proche de toi, je dirais. Voilà. Moi, je pense que si. Parfois, c'est pas ce qu'on croit. La vie, est différente là-haut et ici. Et là-haut, c'est différent. Ils sont là pour nous aider. Et ta maman, peut-être qu'elle n'a pas fait tout le temps les bons choix sur Terre, mais elle te guide de là-haut, c'est sûr. D'accord? Voilà. Donc, j'étais avec qui? Avec Marie-Ange. Est-ce que tu dois garder espoir avec Maxime? En haut ou en bas, Marie-Ange? Avant de finir, avant qu'on finisse. Allez, hop. Je pense que c'est ta maman, hein. Joe. Joe, je pense que c'est ta maman. Allez, ici c'est en haut, ici c'est en bas. Marie-Ange, tu choisis laquelle carte? Est-ce qu'il va revenir, Maxime, c'est ça? Est-ce que tu dois te garder espoir ou pas? Choisis la bonne carte. Est-ce que tu as bien réfléchi ou est-ce que tu as fait ça, tu te dis, en haut parce qu'on est bien guidé? Tu me valides encore une fois ou pas? Réfléchis bien. Non, réfléchis pas. Laisse-toi guider par ton guide. Enlève tes pensées et puis tu me dis, haut ou bas. On a bientôt fini. Dans 10 minutes, on finit. Hop. Tu gardes le haut, d'accord. Ok, regarde. Donc, le bas, c'est celle-ci, t'as pas pris. Et en fait, la carte, c'était celle-là. Hop. Et la carte que t'as pas prise, c'est celle-là. C'est la loi. C'est ça. Ok, c'est la loi. Et la loi, ça montre que parfois, on ne fait pas ce qu'on veut. Parfois, on ne fait pas ce qu'on veut et on est obligé de suivre la loi. C'est pas ce que tu as choisi. Donc, je dirais, c'est ce que je ressens, t'es maître de la situation. Pour moi, lui, va un peu rester vers, comment dire ça? Je commence à fatiguer, c'est normal après plusieurs heures de live. C'est toi qui décides. Je te dis vraiment ce qu'on me dit de là-haut. Hein. Moi, je ne pense à rien, je réfléchis à rien. C'est de là-haut qu'on me dit et c'est toi qui décides. Toi, tu décides, Marie-Ange, d'accord? C'est bizarre parce que... Mince. Attendez, je reviens. Ça me fait rire parce que je regardais un peu ton profil et je vois que, comme si tu étais un peu fatigué de la vie, comme si tout te fatiguait un peu. C'est ce que je ressens. Comme si tu. Tout ce qui t'entoure, pas tous, mais en général, je dirais, ça te fatigue. Et puis tu es un peu blasé, pas bla, si, un peu blasé par tout ça et que tu crois plus. D'accord? Je pense que tu es bien guidé. Marie-Ange. Et je pense qu'avec Maxime, hein, c'est ça que tu voulais savoir. Avec Maxime. Oui. Reviendra-t-il un jour? Pour moi, je pense que c'est pas. Ça va aller dans la continuité de ce qu'il y avait avant. Il peut revenir, mais ça va pas aller en s'améliorant. Tu seras toujours un peu comme. Je regardais ton profil. Je te sens pas vraiment comme tu devrais être. Ton âme est évoluée, ton âme est joyeuse, et je te ressens pas comme ça, vraiment. Et je pense que Maxime, même si tu l'aimes beaucoup, et je comprends ça, c'est pas quelqu'un qui te corresponde bien. Voilà, d'accord? Et du coup, je vais quand même
ta carte, c'est celle-là, c'est la dernière carte. Je vais quand même te montrer la carte que tu as choisie parce que c'est important. C'est le message du guide où j'ai du mal à parler parce que je parle beaucoup. Mais Marie-Ange, je regarde. Donc pour moi, Maxime, il peut revenir, mais ça le fera pas trop. Tu seras pas trop heureuse avec lui. Je t'inviterai déjà à me contacter par mail. fred.dulac113@gmx.fr, je pourrais t'en dire plus, t'aider. Tu me donnes ta photo, la sienne, sa date de naissance, la tienne. Tu me redis ce que je t'ai dit là et je te confirmerai ou pas. En tout cas, je te vois une rencontre dans très peu de temps. Moi, je dis toujours les choses comme je le ressens, comme on me le dit de là-haut. Un homme arrive, une rencontre arrive qui va te faire rapidement oublier Maxime. Je sais, faut pas que je fasse ça parce qu'à chaque fois on me dit, ah, Fred, reste sérieux. Ok, je reste sérieux. D'accord? Regarde. Regarde Marie-Ange. Hop. Je pense que vraiment Maxime est quelqu'un que tu appréciais, quelqu'un avec qui tu avais des sentiments, peut-être lui aussi, mais c'est pas ce qui te correspond vraiment. Et tu verras que un homme arrive. Quelqu'un qui va vraiment te faire évoluer comme jamais, je dirais. Tu verras. Et tu verras que ta façon de faire, ta façon d'être va changer. Voilà. Je reste sur ça. La rencontre. Très peu de temps. Avant l'été pour moi. Avant l'été 2026. Non, je rigole. Avant l'été 2023. Là, Carmen. Carmen, il est fatigué. Il va se coucher. On ne peut plus. D'accord. Elle est encore là, Marie-Ange? Ouais, elle est partie. Elle a dit, qu'est-ce qu'il me raconte, Fred Dulac? Eh oui, Fred Dulac raconte toujours les belles choses. Les bonnes choses. Voilà. Allez, il reste 5 minutes. C'est le moment pour ceux qui n'ont pas eu de réponse avant de finir et avant que je vous chante une dernière chanson. Aie confiance en toi, Marie-Ange. T'es pas comme tu devrais être. T'es, au fond de toi, je ressens une âme évoluée, une âme qui a une envie de vivre et t'es un peu éteinte. Après, on s'attache vraiment au passé, mais tu verras que bientôt tout va changer. Tu verras, tu me rediras. J'espère que tu me rediras. D'accord? Allez, Sandrine. Ok. On va finir avec Sandrine pour ce soir. Et après, un prochain live dans un prochain jour. Un prochain live, une prochaine fois. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Hein. Moi, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit trop tard, mais bon, c'est comme ça. Sandrine, vais-je être encore en arrêt de travail? Merci. Ok, Sandrine. Contacte-moi par mail, hein, Marie-Ange, vraiment. Contacte-moi par mail. Sandrine. Ah oui, en plus, on se connaît, Sandrine. Donc, pareil. Si, si, si. Joe, je t'ai dit, hein, c'est ta maman pour moi, ton guide. Je reste sur ta maman. Alors, je ne peux pas te dire son prénom parce que je suis fatigué, mais c'est ta maman, ton guide. C'est pas ta grand-mère. Pour moi, c'est ta maman, vraiment. Ta maman. Bon, tu me rediras par mail comment ça se passe avec ta maman, tout ça. Ah oui, il y a deux mamans. Ah oui, je suis un peu embêté. Donc, tu me diras vraiment. Tu me diras leur prénom. Dis-moi par message, freddulac113@gmx.fr, puis j'essaierai de bien voir. Oui, c'est vrai. C'est pas facile, biologique ou naturel. Les deux sont peut-être présentes. Oui, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. C'est pour ça, ouais, je sais pas. On verra. Je te redirai par mail. D'accord? Je te redirai pas. Tu me redis ça par mail, Joe, puis je te répondrai. D'accord? Merci. Je fatigue et puis il faut que je reprenne plus d'énergie. Je fatigue un peu en énergie. Je fais la dernière personne, Sandrine. J'étais encore en arrêt de travail. Allez, en haut ou en bas? Je pense que c'est ta maman naturelle, je dirais. Biologique, c'est ça, naturelle, biologique. Elle s'est pas trop occupée de toi. Et elle se. C'est un peu son job là-haut de maintenant te surveiller, te guider et te protéger. Je pense que c'est ta maman biologique. Comment elle s'appelle? Vladislava. Vladislava, c'est ça? Vladislava. Je pense que c'est elle.
Je reviens par mail, je te dirai. D'accord. Allez, dernière carte. Oui. Tu sais, la vie terrestre et la vie là-haut, c'est différent. La vie terrestre, c'est pas parce qu'on s'occupe pas de la vie terrestre, de quelqu'un dans la vie terrestre. Là-haut, après, le travail qu'on n'a pas fait ici, souvent on le fait là-haut. Et souvent, quand on a fait un travail là-haut, après on vient là pour un peu récupérer ou. Enfin bref, je ne vais pas me lancer dans de grandes explications parce que je m'auto-fatigue. Mais voilà, ça se passe comme ça. Sandrine. Elle est où, Sandrine? Eh oui, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. La dernière question, c'est pour Sandrine ce soir. Donc, en haut ou en bas, Sandrine, pour répondre à ta question, tu me dis en haut ou en bas. Hop, Sandrine Bigour, est-ce que tu vas reprendre le travail, c'est ça? Allez. Tu réfléchis pas, Sandrine. Et puis on va attendre les 100 000 gemmes. Et vous tapotez plus, il n'y a plus de cœur. Tout le monde s'est endormi. Écoutez ma voix. Vous dormez. Écoutez ma voix. Ah, ça vous manquait, ma voix. Allez, je vous chanterai une petite chanson de Ferrat. Hein? Pourtant que la montagne est belle. On finira comme ça ce soir. En haut, en bas? En haut. Et donc ta question, c'était quoi? Allez, on tapote. Soyez courageux tous. Il n'y a plus beaucoup de personnes, 86 000 gens, on va arriver aux 100 000. D'accord? Oui, de toute façon, Joe, que ce soit ta maman adoptive ou ta maman naturelle, peu importe, je dirais. Parce qu'une prend le relais de l'autre. Il y en a une qui a pris le relais de l'autre sur Terre et il y en a une qui prend le relais là-haut. Tu comprends? Il y en a une qui s'est plus occupée de toi sur Terre et l'autre qui s'occupe de plus de toi là-haut. Les deux âmes sont liées très proches. Voilà. Est-ce que tu vas reprendre le travail? Ok. Et donc, en haut ou en bas? En haut ou en bas? Choisis. C'est la dernière carte de la soirée. C'est minuit. Eh, on va attendre les 80, les 100 000. Sinon, je quitte pas avant les 100 000. Dis-moi, Sandrine. En haut? Allez, on va regarder en bas. T'as pas choisi en bas. Est-ce que tu vas reprendre le travail? Ça, c'était en bas. Oh, la bonne fée, c'était oui, t'allais reprendre le travail, c'est pas ce que t'as choisi. C'est pas ce que t'as choisi. Tu vas pas reprendre le travail, d'accord? Hop. Ce que t'as choisi, c'est en haut. Voilà. Hop. Oh, je suis passé en live, on va se dire deux mots, oui, si vous voulez, on va se dire deux mots à la fin, un petit duo rapidement pour finir. T'as choisi en haut, c'est la duplication. Et la duplication, ça montre que pour moi, tu vas bien reprendre le travail, mais pas là où tu es. Tu vas changer de travail. Peut-être un même travail, tu vois, un même travail, la duplication, mais ailleurs. Tu vas pas reprendre le travail là où tu es. Ah, Tchitchounette, t'arrives toujours à la fin. Hein. Arrive toujours à la fin, Tichounette. Toujours quand j'ai moins d'énergie possible. Quand j'ai moins d'énergie possible. Voilà. Donc, je t'invite, Sandrine, à me contacter par mail. fredulac113@gmx.fr. Je te redirai plus précisément parce que je fatigue un peu. J'ai commencé à 9h et 9h30, 9h, 10, 11, 12, 3h de live. Je suis un peu fatigué. Voilà. Voilà, donc merci à tous de tapoter quand même. Je quitte pas avant les 100 000 j'aime. Et maintenant, je vais. Les personnes qui restent, allez, qui c'est qui veut chanter avec moi? Je vous demande pas d'être en vidéo, juste chanter Jean Ferrat avec moi, que la montagne est belle. Allez, je me mets des j'aime parce que je vois que vous fatiguez tous. Allez, qui veut chanter? Qui sait chanter? Allez, Jo, tu sais chanter? Ah, tu veux chanter, Jo? Ok, allez, on va chanter avec Jo alors. Je t'invite pour finir. Merci à tous. Merci à tous d'avoir. Oh. Merci à tous d'avoir. Je vous dis à tous à samedi pour un live message des stars du ciel numéro 1 sur YouYou, l'autre réseau social. Attends, je fais un peu de ma pub, Jo, puis après je suis à toi. Ouais, t'arrives pas. T'as pas autre chose comme chanson? Ah, comment? T'as pas autre chose comme chanson? Ah, je me suis entraîné, hein. Et là, elle est.
Attends, on va, si tu veux, on chantera une autre chanson. Juste pour vous dire, je vous donne rendez-vous à tous samedi soir, 21h30, sur YouYou. Je pense que je serai là. C'est pas sûr, mais je pense que oui. Message des stars du ciel, numéro je sais pas combien, avec des messages des stars du ciel, des stars qui étaient sur Terre et maintenant qui sont au ciel. Voilà, ça se passe comme ça ici, ça passera toujours comme ça. Salut Laurent, un petit coucou. Ben, on a bientôt fini, hein. On finit avec Jo. Alors Jo, qu'est-ce que tu veux chanter alors? La vie en rose. Ouf, alors attends, il me faut les paroles. Alors Il y a vas-y, un comment t'as... décalage. C'est bizarre, il y a un décalage quand tu parles. Il y a un décalage. Ah, parce que t'es sûrement... Non, mais Il faut d'habitude, que ça tu... fait pas ça. Ah, bah tu sais, il y a toujours des choses bizarres avec moi. Alors qui c'est qui chante La vie en rose? Attends, je cherche Edith. sur Google. Édith Piaf? Oui, c'est ça. Alors attends. Mais tu chantes avec moi, je chante pas tout seul, hein. Ah ben moi je chante toujours avec tout le monde. Hein. Attends, je vais mettre le karaoké, comme ça on aura la musique. On va attendre les Bah, 100 000 super. j'aime. Est-ce que tu peux On me va attendre. réinviter? Oui, pas de souci. Non, mais je vais enlever parce que là, il y a une double voix. Vas-y, pas de souci. Je cherche le karaoké. Font pas. Attendez, on règle tout ça. Bientôt 100 000 gemmes. Allez, il manque plus beaucoup. Mettez des cœurs pendant que je cherche. La vie en rose. Ok, la vie en rose. Édith Piaf. Ouh là, ça va être chaud pour moi ça. La vie en rose. Hop, attendez, hein, je cherche. Hein. La vie en rose, karaoké. Voilà. Allez, je m'entraîne avant que je chante avec Joe, parce que Joe, c'est une pro. Joe, c'est la pro de chez pro. Donc, Waouh, ça va être chaud. Bon, on va essayer. Ouais, on est mal barré. Est-ce qu'on est à 100 000? Oui, plus de 100 000 j'aime. Merci, merci à tous. Allez, Jo, t'es prête? Je te réinvite et puis on finit. Ok. Allez, on y va. On va voir si c'est mieux. Ah, moi, je chante pas le dé. Est-ce que c'est mieux? non, mais c'est pas grave, je te rends double, mais c'est pas grave. Tu mens en double? Bon, bah, si tu mens en double, c'est 2 fois mieux. Bonjour, bah, je te laisse chanter Ah en non, première. Hein. tu mets là, tu mets, j'entends pas, je connais pas les paroles, hein, j'attends que tu fasses avec moi, hein. Ouf, bon, bah, on est mal barré hein, parce que Mais moi je non. connais pas. Hein. Bon, allez, on y va. Allez, mets la Allez, en tout musique. cas, je mets la musique, je mets le karaoké, je mets les paroles. D'accord. Avant tout, je vous embrasse tous. Merci. Bonne nuit, à bientôt. Rendez-vous samedi et de nouvelles vidéos, de nouveaux lives de Tout arrive. Tout arrive à qui sait attendre. Tout arrive à point à qui sait attendre. C'est ça? C'est ça, Jo? Voilà, impeccable. Allez, à samedi, je vous embrasse tous. On va finir avec Jo chanter. On va essayer parce que c'est dur, hein? C'est dur J'ai ça. Hein? jamais Allez, on y chanté va. en live, hein. Ok, on s'en fout. Ici, on est entre nous ici. Pouf! Allez, je vous embrasse tous. Merci. Ciao, ciao. Merci, Fanny. Merci, Isa. Merci, Sud13. Merci, Tichounette. Merci, tout le monde. Merci à tous. À bientôt. Et que la fête continue et que tout le monde voit la vie en rose. Parce qu'on en a besoin en ce moment. On en a vraiment besoin. Parce que j'ai pas les paroles devant les yeux, hein, mais bon. T'inquiète pas, je mène la danse. Voilà. Par contre, je sais pas trop, hein. Des yeux qui Ceux qui font font baisser les baisser les miens, miens, un un rire rire qui qui se se perd sur perd sa à la bouche. bouche, voilà Voilà le le... secret sans retour. Ah, t'es en retard. Ah, je connais pas les paroles, Quand hein. il me prend dans Dans ses ses bras, bras, qu'il il me me parle parle tout bas. tout bas, je Je vois vois le... la vie en En rose. rose, il me dit. Il me dit.
de tous les jours. Et Et ça ça me me fait fait quelque quelque chose. chose. Il est rentré dans mon Il cœur. est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je Dont je connais connais la cause. la cause. C'est toi pour moi, moi pour lui Dans dans la ma vie. vie, il Il me l'a l'a dit, dit, il a a juré juré pour la pour vie. la J'entends vie. rien du tout, hein. Après, Mais dès mais que dès que je je l'aperçois, l'aperçois, alors alors je je change en sens moi mon mon cœur cœur qui bat. et j'entends tout décalé, je te jure. C'est pas grave, tu chantes mieux que moi, même en décalage. Alors là, après, c'est dur, hein. Après, vas-y. Attends, on laisse passer parce que là, ça va vite. J'entends pas. Quand il Il me me prend prend dans dans ses ses bras, bras, il il me me parle parle tout bas. tout bas. Je Je vois vois la la vie vie en rose. rose. Il me dit des mots d'amour, D'amour, des des mots mots de de tous les tous les jours. jours, Et et ça ça fait me fait quelque quelque chose. chose. Il Il est est entré entré dans mon dans cœur mon cœur, une part de part de bonheur bonheur dont dont je je connais la connais la cause. cause. C'est C'est toi pour moi, pour toi dans la vie. Il me l'a dit, t'as juré pour la vie. Allez, fatigue. Alors je chante en soi mon Mon cœur cœur qui qui bat. Bravo, Jo. Heureusement que J'entendais t'étais là. rien du tout, hein. Je te suis, Ouais, t'étais mal barré avec moi. hein. Non, mais tu sais quoi? J'entends pas la musique, j'entends pas les paroles, je te suis par rapport à ce que tu dis. Ben, t'as raison. Moi, je guide tout le monde, donc t'as raison. Allez, tu me suis, comme ça, je t'ai bien guidé. Allez, merci, Joe. De rien. On s'est Bonne nuit éclaté. à Mes voisins tous. vont se demander qu'est-ce qui se passe là. Allez, merci, à bientôt. Je vous À embrasse bientôt. tous. Bisous à tout le Merci, monde. Joe. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne Ciao, nuit. ciao. Ciao, ciao, Joe. À bientôt, à samedi, live À sur samedi. YouYou. Live sur YouYou. Message des... Je ne sais pas combien. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Laurent. Bonne nuit, Tichounette. Bonne nuit, tout le monde. Moi, vous savez, j'ai toujours... vous savez, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui est bienveillant, avec du cœur, avec du caractère. J'aime bien finir par ce que je veux, moi. Et donc, on va finir avec La montagne est belle, quand même. Je vous embrasse tous. On finira là-dessus. Merci Isa, merci Fanny. À samedi, hein. J'espère être présent. Je vous redirai ça dès demain. Passez une bonne fin de semaine. À samedi, je vous embrasse tous et toutes. N'oubliez pas PPA. Contactez-moi par mail si vous avez besoin. Et si vous n'avez pas besoin, contactez-moi quand même par mail. N'oubliez pas, la vie est un jeu. La vie en rose et la montagne est belle aussi. Alors on y va. Ciao, ciao, ciao Fanny, ciao Isa, ciao tout le monde. On va finir tranquille. Attendez. Attendez. On va finir plus cool. Je vais éteindre un peu la lumière. On va être entre nous. Et puis on va finir comme ça. Je reviens dans 2 secondes. Voilà, on est dans le noir, on est bien. On va finir la nuit comme ça, plein d'amour. Merci Jo, merci tout le monde.
On finit avec ah, Jean Ferrat et la montagne est belle. Ciao, ciao. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers la manche, les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment ne pas l'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire, ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant le vol d'une hirondelle que l'automne vient d'arriver? C'est bien, Fred. C'est bien. On s'améliore. Avec l'âge, on s'améliore. Merci à tous. C'était un petit cadeau pour vous. Merci, Jo. Merci, tout le monde. PPA, pensée positive, attitude. On en a besoin dans ce monde d'aujourd'hui. Faites comme le colibri. Donnez un peu de votre part. Faites votre part de positive attitude. Ciao, ciao. À bientôt. À samedi. Je vous embrasse tous. Bonne nuit. Avec PPA et amour. Ciao, ciao. Merci, Fanny. Merci, Isa. Merci tout le monde. Ciao. Non, on va pas finir comme ça. C'est un peu triste. On va finir avec la musique Fred du Like. Vous connaissez la musique Fred du Like? On va pas chanter, hein? J'ai bien chanté, hein? Vous croyez pas? Ah, bien chanté. Ciao. Bonne nuit, mes amis, mes petites patates chaudes.
Cette fois, on va se coucher. Ciao, ciao. Bonne nuit. Pensez à la montagne, pensez à Fred du Lac, pensez surtout à vous et à l'amour. Ciao. À samedi. Ciao, ciao. Merci Isa, merci Fred.